السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 12 Safar 1438 de l'Hégire, correspondant au 12 novembre 2016 d'après le calendrier chrétien. Donc nous sommes aujourd'hui, inshallah ta'ala, au 30e cours de Thalathat Usul wa Adillatuha de Cheikh Islam Mohamed Ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous vous souvenez, on va revenir un peu marche arrière pour dire que maintenant, on est en train de parler des piliers de la foi. Et on avait dit qu'ils étaient au nombre de 6, c'est-à-dire croire en Allah Azzawajal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Par rapport à ce qui est de la aqida de croire en Allah, on l'a vu. En ses anges, on l'a vu. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va voir c'est quoi la aqida de croire en ses livres, Azzawajal, et en ses messagers, alayhim salatu salam. Donc, aujourd'hui, inshallah ta'ala, croire en ses livres, croire en ses livres. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit, le terme livre, qui en arabe on dit kutub, est le pluriel de livre, un livre, kitab. Donc livre avec S, en arabe ça donne kutub. C'est le pluriel du livre kitab, qui désigne une chose écrite. Kitab, qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne une chose écrite. Quand on dit en arabe maktoub, ça veut dire ce qui est écrit, yani le maktoub. Donc le livre, des fois, c'est yani, ce qui contient yani, l'écriture, ce qui est écrit, des fois, c'est ce qui est écrit lui-même. Cheikh dit, les livres cités ici sont ceux que Allah Azza wa Jal a révélés à ses messagers par clémence envers la création, afin de leur montrer la voie droite, et leur bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce qui veut dire, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, veut dire que, quand il a dit, ce sont ceux que Allah Azzawajal a révélé à ses messagers par clémence envers la création. Car, Allah Azzawajal aurait pu nous créer sans nous envoyer de livres ni de messagers, et te dire, débrouille-toi, il faut que tu arrives à faire tous les efforts pour me connaître. Fais tes efforts personnels pour me connaître et savoir yani, ce que j'aime pour que tu le fasses et ce que je n'aime pas, ce que je déteste pour que tu le laisses, non, pour que tu t'en éloignes. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa clémence et sa rahma, yani, a fait descendre des livres, non, où il t'explique tout dans le livre. Non. Avant que j'oublie, Fawzi, tu m'entends, Fawzi? Juste une petite pause. Si tu vois dans la liste quelqu'un qui s'appelle Foued 77 ou bien 777, quelque chose comme ça, il faut le bannir de la liste parce que yani, il s'en prend aux sœurs, surtout aux nouvelles. Naam. Et là, je profite pour dire aux sœurs qui ne savent pas et qui sont nouvelles que yani, il faut fermer les PV pour que personne ne vous embête quand vous êtes en train de quoi? Quand vous êtes en train yani, d'écouter le cours. C'est pour ça que toute sœur qui ne bloque pas ses contacts n'a pas le droit de se plaindre aux admins
lorsque des intrus l'embêtent. Non. Et voilà, pour bloquer les contacts, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va file. Si on a le paltalk en anglais, file dehors, c'est-à-dire dans la page principale du paltalk, pas celle-là du salon, l'autre. Où on inscrit son nom pour se connecter. File, ensuite setup préférence, privacy, elle est allo contact, from padlist. Elle dit, je sélectionnais de la dernière, c'est la troisième, je crois. Yani allo contact from padlist only, seulement. Yani j'accepte seulement les contacts de ma liste. Et ceux qui ont le paltalk en français, c'est elle. On va fichier, configurer, préférences, confidentialité. On coche autoriser uniquement les contacts de la liste d'amis. Comme ça, personne ne peut vous contacter quand vous êtes en train d'écouter le cours, sauf ceux qui sont sur votre liste. Donc, toute personne, surtout toute sœur, qui ne fait pas ça, ne ferme pas, ne bloque pas ses PV, c'est pas la peine, yani, qu'elle nous dise qu'elle nous a embêté. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre des livres dans lesquels tout est clair. Tout est clair comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sauf la personne qui ne veut pas faire d'efforts, il ne veut pas connaître, il ne fait pas d'efforts pour connaître ce qu'il y a dans les livres descendus par Allah azza wa jal. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance au livre comprend quatre éléments. La croyance au livre comprend quatre éléments. Premièrement, croire au fait qu'ils ont été véritablement révélés par Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, croire au livre dont le nom a été indiqué. Troisièmement, considérer comme véridiques les informations qui s'y trouvent. Et quatrièmement, agir en fonction des lois non abrogées s'y trouvant. Donc on va détailler tout ça. Donc on revient à premièrement. Premièrement, croire au fait qu'ils ont été véritablement révélés par Allah subhanahu azza wa jal. Donc, si quelqu'un ne croit pas en les livres d'Allah azza wa jal, c'est un kafir. Et maintenant, s'il dit, moi je crois aux livres d'Allah azza wa jal, supposons par exemple de nos temps, il va dire, bon, c'est quoi le dernier livre révélé? On va lui dire le Coran. Il dit, moi je crois au Coran. On lui dit, pour que vraiment ta croyance soit vraie par rapport au Coran, il faut remplir quatre conditions. La première, croire au fait que ce livre a été vraiment, véritablement révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, s'il dit je crois au Coran, est-ce qu'il y a par exemple dans le Coran, et il dit mais j'ai des doutes, est-ce que c'est le prophète à l'essentiel qui l'a écrit, ou bien il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on lui dit arrête, donc toi tu ne crois pas au Coran, tu ne crois pas au livre. Car croire au livre d'Allah Azza wa Jal implique premièrement que je dois vraiment attester dans mon cœur que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Révélé par, c'est la première condition. Ensuite, deuxièmement, croire au livre dont le nom a été indiqué. C'est-à-dire, croire au livre dont le nom nous a été indiqué comme le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Torah révélée à Moussa, Moïse alayhi wa sallam, l'évangile révélé à Isa, qu'ils appellent eux Jésus alayhi wa sallam, et Zabur révélé à Daoud, qu'ils appellent David alayhi wa sallam. Quant au livre dont le nom nous est inconnu, on se doit d'y croire de manière générale, c'est tout. Donc il y a beaucoup de livres. Mais les livres que je viens de citer, les quatre, sont les plus connus. Il y en a d'autres. Je crois en ces livres sans connaître leur nom. Mais les livres qui ont des noms connus, des noms qui se trouvent dans leur nom se trouve dans le Coran, ou bien dans la Sunna, je dois croire en ces livres avec leur nom, même si je ne connais pas le contenu de ces livres. Mon obligation, c'est de croire au nom du livre. Quant à ce qu'il contient à l'intérieur, je ne sais pas, parce que c'est pas mon livre. Je n'ai pas vécu au temps où ces livres sont descendus. Mais ce qui m'implique moi, ce qui me devient obligatoire, c'est de croire en son nom. Qu'il y a un livre qui s'appelle, l'Injil, l'Évangile, qu'il y a un livre qui s'appelle Torah,
descendu sur Moussa alayhi salam, l'évangile sur Isa, Zabor sur Daoud, et le Coran sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr les psaumes d'Ibrahim, Sohof Ibrahim. Non. Troisièmement, pour croire vraiment au livre d'Allah azzawajal, je dois considérer comme véridique les informations qui s'y trouvent. Je dois considérer comme véridique les informations qui s'y trouvent. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallahu dit, considérer comme véridiques les informations qui s'y trouvent comme celles contenues dans le Coran ou celles inchangées et non falsifiées que l'on trouve dans les livres précédents. Donc je dois considérer comme véridiques toutes les informations qui se trouvent dans les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au Coran, il n'y a pas de problème. Reste les livres antérieurs qui sont venus avant, je dois croire en ce qu'il y a dans ces livres, à condition que je sois sûr que ce qu'il y a dans le livre n'a pas été falsifié. N'a pas été falsifié, ni n'a été changé. Et c'est bien sûr plus ou moins difficile, surtout par rapport à la Bible. Non, la Bible, il y en a déjà 4 ou 5, elle est connue, sinon il y en a beaucoup. Et comme vous savez, chaque Bible ne ressemble pas à l'autre. Il y a même de grandes contradictions entre les Bibles elles-mêmes. Donc là, vraiment, de dire que, par exemple, ce verset-là, je ne sais pas si on appelle ça verset dans la Bible, ça a un autre nom, mais j'ai oublié, de dire que vraiment ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficile. C'est pour cela qu'il y a un hadith du prophète Al-Islam qui dit quoi? Il dit quand, par exemple, les gens du livre, quand ils te parlent, hein, surtout de Benou Israël, il dit, il ne faut ni les croire, ni les mécroire. Car si tu les crois, peut-être c'est quelque chose de faux, et si tu dis je crois pas en ça, peut-être tu vas mécroire en quelque chose de juste. Donc il faut quoi? Il faut dire moi je me limite à ce qu'il y a dans le Coran, Naam, bi'idhni ta'ala, car il a été descendu pour moi. Quant aux autres, ce sont eux, yani, qui étaient, on leur avait enjoint de suivre les livres précédents. Mais moi je crois en général que ces livres, yani, dont je viens citer les noms, yani, sont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit troisièmement, considérer comme véridique les informations qui s'y trouvent. Les informations qui s'y trouvent. Si quelqu'un maintenant va lire un verset du Coran, ensuite va avoir des doutes. Surtout si par exemple, le verset parle de l'invisible, ghaib. Comme quoi, il y a le paradis a 8 portes, et il y a l'enfer a 7 portes. Et je lis par exemple, là dans les hadiths, par exemple, que yani, il va se passer telle et telle chose à la fin du monde, et que le soleil, par exemple, ceci, cela, les planètes, il va dire non, je n'y crois pas en ça, alors que ça se trouve dans le livre. Donc, il n'a pas considéré comme véridique les informations qui s'y trouvent. Donc, il n'a pas cru au livre. Car, parmi les conditions qui font que j'ai cru au livre, c'est pas la troisième condition, c'est de considérer comme véridique tout ce qui s'y trouve. Et j'ajoute une autre chose, et de considérer aussi juste, yani, adl, contraire d'injuste, de considérer comme juste tous les jugements qui s'y trouvent. Juste dans le sens de, yani, ça ne lèse pas et ça ne fait pas de tort. Par exemple, si je lis dans le Coran que le voleur, on lui coupe la main, entre parenthèses, voilà, justice, que le voleur, s'il remplit les conditions, on lui coupe la main, non, je ne vais pas dire, mais c'est, yani, on a fait du tort au voleur. On va dire que ce jugement est injuste. Ce jugement est trop lourd. Donc ce jugement ne, comme disent certains prêcheurs maintenant, ils disent, ça fait partie du passé. De nos jours, il n'y a plus, par exemple, on ne fait plus ces choses-là. Non. Donc, bien sûr, il dit ça, ou bien par djel, ou bien par complexe. Il dit, comment moi je suis complexé, comment devant les gens, il y a une émancipation, et ceci, et cela, et moi je vais dire, on va lui couper la main. Alors, donc, c'est barbare. Alors, s'il dit comme ça, non seulement, il n'a pas cru, mais il a dit quelque chose de coffre. Il a dit quelque chose de coffre. Et ça peut le faire sortir de l'islam. Ça peut le rendre apostasé. Pourquoi? Parce qu'il prétend alors que, yani, lui,
cette personne qui critique, yani, est plus juste que Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les lois de Allah subhanahu wa ta'ala contiennent de l'injustice. Et que ça aurait été plus juste que le voleur, on ne lui coupe pas la main. Non, c'est plus juste qu'on ne lui coupe pas. Lui couper, c'est de l'injustice. Et comme ça. Donc, je reviens jeudi, par rapport au troisième mot, qui est considéré comme véridique, les informations qui s'y trouvent, et considéré comme juste. Considéré comme juste, yani, tous les jugements aussi qui s'y trouvent. Tous les jugements et les houdouds et tout ce qu'il y a dans le livre. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, et enfin, agir en fonction des lois non abrogées s'y trouvant. Agir en fonction des lois non abrogées s'y trouvant. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, c'est-à-dire s'en satisfaire et s'y soumettre. Donc c'est à peu près ce que j'ai dit, je viens de dire. Il dit, on doit s'en satisfaire des lois qui s'y trouvent et s'y soumettre. Que l'on en comprenne la sagesse ou non. Que l'on en comprenne la sagesse ou non. Il ne faut pas dire, moi j'ai pas compris pourquoi on fait telle chose. Je donne un exemple, quelqu'un va dire, je ne comprends pas pourquoi on a... Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est Arhamar Rahimin. Et dans les hadiths sahih que Allah Ta'ala est plus miséricordieux envers nous que notre mère l'est. Et donc, je comprends pas comment Yanni, malgré cela, il dit, par exemple, le voleur coupe lui la main. Donc, je vois pas où est la sagesse. Allah Ta'ala, il dit le tri miséricordieux, normalement, Yanni, il aurait dit, peut-être, Yanni, il paye une amende ou bien un mois de prison. Mais lui couper la main, vraiment, c'est j'accepte pas ça vraiment. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la sagesse. S'il avait compris la sagesse, c'était quoi? Il aurait accepté. C'est quoi, par exemple, la sagesse de couper la main? La sagesse de couper la main, premièrement, on coupe pas n'importe qui. Il faudrait qu'il ait volé plus, c'est-à-dire, de, yani, un quart, non, robadina, un quart, de dinar d'or. C'est-à-dire 1,25 grammes d'or et on monte. Si on va dire 1 gramme d'or, c'est à peu près en Algérie 600 000, 1 gramme. Maintenant 1 gramme 25, peut-être ça doit tourner dans 900 000, disons presque 1 million de centimes. Donc s'il vole un œuf ou bien un bonbon hein, ou bien un paquet de farine ou bien, on lui coupe pas la main, bien sûr. Mais regardez combien il a volé. 1,25 grammes d'or et on monte. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faudrait qu'il remplisse les conditions. Ça soit pas quelqu'un qui n'est pas pubère. Ou bien que ça soit pas quelqu'un qui est fou ou malade mental, il sait pas ce qu'il fait. Ou bien que ça soit pas quelqu'un qui est dans la famine. Il va mourir de faim, personne ne veut lui donner, et il n'a rien trouvé sauf que voler pour manger. Il n'a vraiment rien, toutes les portes sont fermées. C'est pour ça que dans les mains, on coupe pas les mains. Et comme dans le hadith authentique, que dans les batailles, on coupe pas les mains. Pourquoi? Parce que si tu coupes la main à quelqu'un qui a volé dans la bataille, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut donc, tout le monde va fuir de toi et aller vers l'ennemi. Et celui qui va te combattre, il va dire, moi je reste pas avec ceux-là. Et autre chose importante, ce que je voulais dire, c'est que regardez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit couper la main au voleur. Si jamais on appliquait cette loi, on pourrait rester des années sans que quelqu'un ne vole une chose. Quelqu'un qui passe comme ça devant, il trouve une chaîne en or devant lui comme ça, il fait semblant de ne pas la voir. Pourquoi? Il a peur que, on lui dise tu l'as volé, on lui coupe la main. Il va trouver, un trésor devant lui, un trésor, une caisse pleine d'or et de bijoux, il la laisse, sauf s'il la prend, il l'emmène au commissariat. Mais il a peur de la prendre. Non, pourquoi? Il sait que sa main va être coupée. Mais quand il n'y a pas une chose pareille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que je vais voler, je vais rester 2 ou 3 mois en prison, je vais sortir. Et en bague, moi j'accepte 2 ou 3 mois en prison. Ensuite j'ai un osmo. Un coffre de plein de bijoux qui m'attend.
3 mois, 4 mois, une année, c'est peu, mais allez, je patiente. Et je sors ensuite profiter avec le coffret qui m'attend. Et encore déjà en prison, il y a maintenant beaucoup de connaissances. Tu connais le juge, tu connais je ne sais qui, année, il peut te faire sortir année en 2, 3 mois, la grâce. Comprenez? Mais maintenant, quand c'est coupé la main, ah là, c'est grave. C'est pour cela, je dis, la main coupée devient une preuve quoi, non. C'est pour cela, je dis, pendant tout le califat de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Ensuite de 2 ans et quelques, ensuite de Omar ibn Khattab, 10 années, ensuite de Ali ibn Abi Talib, ensuite de Othman ibn Affan. Le tout, ça a donné à peu près 30 ans de califat. Vous savez combien qu'on a coupé? 5 mains, 5. J'écris le nombre, 5. 5 mains. 5 mains. 5 mains coupées en 30 ans. En 30 ans. Ce qui veut dire quoi? Que vraiment, il y a plus de voleurs. Si on applique les lois d'Allah, il n'y a plus de voleurs. Donc, l'islam, les lois d'Allah, ce qu'il y a dans le Coran, ça voit au loin. On voit pas au bout du nez. Ah, on lui a coupé la main, miskine, le pauvre, et qui va travailler à sa place, et ensuite ses enfants vont mourir de faim, et sa femme, comment qu'elle va faire, et ensuite. Non, l'islam voit très très loin. Très très loin. Je dis, si tu coupes la main, voilà ce qui va se passer. Il va se passer que il n'y aura plus de voleurs bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui a volé, il paye. Il paye. Pourquoi il a volé? Bon, s'il ne savait pas que le vol est haram, s'il ne savait pas, il vient de faire tawbah maintenant, c'était un kafir, il vient de rentrer en islam, il ne savait pas. Alors qu'entre parenthèses, peut-être qu'il n'y a pas celui qui ne sait pas que le vol est haram. Dans ce cas, si quelqu'un ne sait pas, il est excusé. Non. Mais s'il sait maintenant et ensuite il va voler. Ensuite, on va dire une chose très importante. On va dire à celui qui pleure pour le voleur, et il dit miskine, et qui va travailler pour lui, et ses enfants, et miskine, et ceci, cela. On lui dit, pourquoi tu n'as pas pleuré pour le volé? Pourquoi tu as pleuré pour le voleur? Et tu n'as pas pleuré pour miskina, la vieille à qui on vient de lui voler sa chaîne d'or. Et le vieux miskine qui, ça fait un mois qu'il travaille, il vient de ramener sa paye, on lui a volé maintenant sa paye dans le métro. Et il est maintenant assis, Yani, en train de pleurer, miskine, en train de. Celui-là, pourquoi tu ne pleures pas? Il ne te fait pas de la peine. Et le voleur, il te fait de la peine. Subhanallah al-Azim. Tayyib. Une seconde, inshallah ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallahu ta'ala dit, agir en fonction des lois non abrogées, s'y trouvant, s'en satisfaire et s'y soumettre. Que l'on en comprenne la sagesse ou non. En outre, tous les livres précédents sont abrogés par le Coran glorieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran, il a dit, Al-Ma'ida 48, Al-Ma'ida 48, il a dit, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. C'est-à-dire, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah Ta'ala fait descendre. Ne suis pas leur passion, non, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver, c'est-à-dire vous tester en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Le muhim ici, c'est quoi dans tout cela? C'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, en outre, tous les livres précédents sont abrogés. Lorsqu'il a dit, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui, l'Injil, et pour prévaloir sur lui, tout livre qui a précédé le Coran prévaut sur lui. D'un côté, il l'abroge, de l'autre, il confirme que
que le livre aussi, ce livre qui l'a précédé, est venu aussi d'Allah, et ensuite il prévaut sur lui. Non, il prévaut sur lui. Cheikh Ibn Othaymin dit, par conséquent, il n'est pas permis d'agir en conformité avec une quelconque loi tirée des livres précédents, sauf s'il s'agit d'une loi non falsifiée et approuvée par le Coran. Donc personne n'a le droit de dire, s'il se passe telle ou telle chose, je vais prendre le jugement de telle chose de l'évangile par exemple, ou bien de la Torah, ou bien des psaumes d'Ibrahim. Non. Tous ces livres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été abrogés. Pourquoi? Car il a dit dans le verset, si vous avez vu, il a dit, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc les autres avaient une législation, et nous, on a une nouvelle législation qu'on doit suivre. Ce n'est plus la même chose, et ce n'est plus permis d'aller prendre une législation d'un autre livre. Il faut prendre de ce livre qui est descendu pour toi, et spécialement pour toi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance au livre engendre des bienfaits exceptionnels pour le croyant. À savoir, premièrement, connaître les bienfaits qu'Allah Azzawajal prodigue à ses serviteurs. Quand quelqu'un, alhamdoulilah, croit au livre et sait ce qu'il y a dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va reconnaître qu'il y a beaucoup de bienfaits qu'Allah ta'ala prodigue à ses serviteurs. Beaucoup de bienfaits se trouvent dans ces livres, alhamdoulilah. Naam. Deuxièmement, connaître la sagesse d'Allah dans sa législation. Naam. Maintenant, quand tu lis ces livres, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, tu apprends à connaître quelles sont, yani, les grandes sagesses qui se trouvent derrière, yani, les jugements d'Allah azza wa jalla et sa législation. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Ibn Othaymin dit, connaître la sagesse d'Allah Azza wa Jalla dans sa législation, il a légiféré pour chaque situation. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il a dit, le Maïda 48, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, yani, par rapport au livre, ce qu'il faut connaître, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on doit passer, bi'idhnillah ta'ala, à l'autre pilier, qui est croire en ses messagers. Croire en les messagers d'Allah subhanahu azza wa jal. Le terme rusul, messager avec pluriel, bi'afoun, messager avec S, est le pluriel de rasul, messager, c'est-à-dire mursal, envoyé. Donc, le rasul, c'est un messager. Et pluriel, on dit rusul. On dit rusul, c'est-à-dire des envoyés. Donc, un rasul, c'est un envoyé. Envoyé pour faire quoi? Pour transmettre une information. Ici, ce terme désigne plus particulièrement une personne à qui une révélation a été faite. Et qu'elle doit transmettre. C'est pour ça qu'en arabe, si par exemple j'envoie quelqu'un à mon oncle ou bien à une autre personne, je lui dis va lui dire telle chose ou bien va me ramener telle chose, la personne que j'envoie, ça s'appelle un rasoul. Je lui dis, ensuite par téléphone, je dis à cette personne, est-ce que mon envoyé t'est arrivé? C'est-à-dire en arabe, mon rasoul. Je lui dis, est-ce qu'il est arrivé? Non. Donc rasoul, ça veut dire envoyé. Mais ici, on est en train de parler de quelqu'un qui a été envoyé par Allah Ta'ala. Par Allah subhanahu wa ta'ala, car il a une révélation qu'il doit transmettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Nuh. Et le dernier, c'est Muhammad alayhi salam. Donc, si on vous dit c'est qui le premier des messagers, il faut dire c'est Nuh alayhi salam. Et si on vous dit c'est qui le premier des prophètes, il faut dire c'est Adam alayhi salam. Adam, le premier des prophètes. Et Nuh, le premier des messagers. Adam n'a pas été envoyé aux gens.
Nuh a été envoyé aux gens avec une révélation. Naam. Donc la preuve que Nuh alayhi salam c'est le premier, Allah Ta'ala dit dans le Coran, An-Nisa 163, il a dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Mohammed, il parle à Mohammed alayhi salam, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, Nuh, et au prophète après lui. Au prophète après lui. Donc le verset est clair. Le témoin du cours, c'est quoi? Comme nous fîmes à Nuh et au prophète après lui. Il n'a pas dit au prophète avant lui. Au prophète après Nuh. Donc Nuh, c'est lui le premier. C'est lui le premier. D'ailleurs, dans le recueil des hadiths authentiques de l'Bukhari, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala relate le hadith de l'intercession où le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme que les gens se rendront auprès de Adam alayhi salam afin qu'il intercède en leur faveur. Celui-ci va refuser et leur dira demandez donc à Nuh alayhi salam. Il est le premier des messagers envoyés par Allah. Donc, le hadith authentique montre que quoi? Que les gens yom al-qiyama, après être sortis de leur tombe, les gens quand ils vont sortir de leur tombe, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner yani, la vie de nouveau. Ils vont sortir de leur tombe et ils vont partir vers un endroit spécial sur terre, un endroit spécial. La terre aura changé. Ni arbre, ni montagne, ni rien, muhim, quelque chose de désertique comme ça. Et ils vont se mettre debout là-bas pour attendre qui? Attendre que Allah Ta'ala vienne pour juger entre les gens. Ils seront nus et circoncis, incirconcis, à point. Donc, ils doivent attendre que quoi? Que Allah Ta'ala vienne pour juger. Pendant ce moment-là, bien sûr, le soleil va descendre. Là, vraiment, vraiment, il y en a sur la tête. Certains disent, jusqu'à ce qu'il ne reste que, à peu près 1,5 km, ce qu'on appelle le mile, entre notre tête et, Wesmo, et le soleil. Imaginez maintenant, entre nos têtes et le soleil, il y a je ne sais pas combien de millions, je ne sais pas, la distance de lumière. Qu'en est-il s'il ne reste que 1,6 km, entre nous, entre nos têtes et le soleil. Et certains savants ont dit, le mille qui a été cité dans le hadith, il a dit justement, c'est pas 1,6 km le mille qu'on compte. Ils ont dit, c'est ce qu'emploie la femme, quand elle veut mettre le noir dans ses yeux. Elle emploie un petit bâton comme ça. Un petit bâton qui n'a que quelques centimètres, peut-être 5 cm ou 10 cm c'est beaucoup, je pense pas. Comme ça, comme un bâton d'allumette. Ils ont dit, donc le soleil sera seulement, yani, presque collé à nos têtes. Seulement quelques centimètres. Allahu Akbar. Donc c'est vraiment, yani, si c'est 1,6 km, c'est déjà, ça fait trop mal. La taille d'un doigt sous nos têtes. Al-Muhim. Le témoin c'est quoi? Alors les gens, bien sûr, ils vont mourir de chaleur, vont étouffer ceci, cela. Ils veulent que Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Pourquoi? Pour juger. Juger pour que je sache si je vais aller au paradis. Alhamdoulilah. Si je vais aller en enfer, la personne va se dire, au moins en enfer et je reste pas ici en train d'attendre je ne sais pas combien. Ils vont rester debout comme ça 50 000 ans. Allahu Akbar. Al-Muhim. Là, les gens vont dire, les musulmans, bien sûr, les croyants vont dire, et si on allait à Adam alayhi salam, Adam, et on va lui demander d'intercéder et d'aller parler à Allah Ta'ala pour qu'il vienne juger. Alors ils vont voir Adam alayhi salam. C'est ça le hadith. Celui-ci refusera et dira, moi, Allah Ta'ala m'a interdit de manger d'un certain arbre du paradis. Et moi j'ai mangé, j'ai fait cette faute. Asaytuhu, j'ai fait ce péché. Moi, je ne peux pas aller lui parler. Aller vers Nuh, alayhi salam. Il est le premier des messagers envoyés par Allah. Demandez-lui de faire l'intercession. Et bien sûr, ils vont aller à Nuh, il va dire, moi je peux pas, j'avais une doua, yani exaucée,
je l'ai faite contre mon peuple. Je l'ai faite contre mon peuple. Quand j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les exterminer. Il va leur dire, allez vers Ibrahim alayhi salam. Allez vers Ibrahim alayhi salam. Ils vont vers Ibrahim, il a dit, moi, j'ai dit les trois qu'on appelle mensonges. Kadhibat. Mais ce ne sont pas des mensonges clairs avec lesquels on a des péchés. Ce sont des choses pour établir la preuve sur quelqu'un. Par exemple, si toi tu m'accuses, tu dis que pourquoi, par exemple, tu, comme a dit Ibrahim, par rapport au mon statut. Là, ils étaient en train d'adorer les statues, il les a cassés, il a mis là sur l'un des statues. On lui a dit qui a fait ça, il a dit c'est cette statue. C'est-à-dire, moi j'accuse cette statue. Si vraiment cette statue est un dieu, alors qu'elle refoule yani le mal, qu'elle dise et qu'elle parle et qu'elle dise c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, il veut leur dire, réveillez-vous. Vous adorez une statue, quelque chose qui ne parle pas et qui ne peut même pas se défendre. Il ne peut même pas se défendre. Donc, il a dit, par rapport à lui, c'est une sorte de mensonge, mais c'est pas le mensonge qui est péché. Et Mouhim, Ibrahim alayhi salam va leur dire, moi je ne peux pas aller vers Isa, qu'on appelle Jésus. Ils sont allés vers lui. Il dit, moi je peux pas. Et il va dire, allez chez Mohammed. Mohammed. Et bien sûr, Mohammed alayhi salam, c'est le seul qui pourra intercéder. Et il va intercéder pour que Allah Ta'ala vienne seulement pour juger. C'est pas il vient pour te faire entrer au paradis, il vient seulement pour juger. Ensuite, on va, Allahu a'lam, on va partir. D'après ce que tu as préparé dans cette vie. Al-Muhim. Donc, on a cité ça pour dire quoi? Pour dire que... Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au sujet de notre prophète, alayhi salatu salam, il a dit, dans le verset, je suis en train de le voir, l'Ahzab 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima. C'est-à-dire, Muhammad n'a jamais été le père, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc, yani, pour prouver que Mohammed c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Et comme vous devez le savoir, dans un hadith authentique, authentifié par Sheikh Al-Albani, il dit quoi? Il dit que il y a 124 000 prophètes. Dont 315 messagers. Dont 315 messagers. Sans imaginer. 124 000 prophète. C'est vraiment yani, beaucoup. Et 315 messagers. Si quelqu'un yani, a devant lui comment vérifier pour le nombre 124 000. Parce que hier, dans une assise, je parlais de Wesmohadak, le Hajjaj ibn Youssef, et j'avais dit qu'il avait tué 120 000 parmi les Sahaba. Donc maintenant, il y a quelque chose qui me dit dans la tête, peut-être c'est 120 000. Mais si quelqu'un peut vérifier si c'est 124 000 ou 120 000. On l'a dit plusieurs fois, mais maintenant j'ai un petit doute. Quoique je penche beaucoup vers 124 000. 124 000 dans 315 prophètes. Le moins, le temps que vous vérifiez, je continue. Cheikh Ibn Rahim Allah Ta'ala dit, toutes les communautés ont reçu soit un messager envoyé par Allah Azza wa Jal avec une législation spécifique destinée à sa communauté, soit un prophète qui est révélé une législation antérieure qu'il revivit. Donc je répète. Je dis, toutes les communautés ont reçu soit un messager envoyé par Allah Azza wa Jal avec une législation spécifique à sa communauté, destinée à sa communauté. Quelque chose de nouveau. Comme nous avons reçu quelque chose de nouveau. Une nouvelle législation. Ou bien, si c'est pas un messager, Allah Ta'ala a envoyé un prophète à qui est révélée une législation antérieure, passée, qu'il revivifie. C'est-à-dire, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Mais il revivifie, la législation du prophète qui l'a précédé. C'est pour ça que on fait la différence parmi les différences entre
le prophète et le messager vient avec une nouvelle législation. Tandis que le prophète, il ne vient pas avec une nouvelle législation. Mais il revivifie, yani, la législation du prophète qui l'a précédé. Allah Azza wa Jalla a dit, Allah Azza wa Jalla a envoyé 313 messagers, dans une autre version 315, et 124 000 prophètes. Cheikh Sahih Minam. Et ça se trouve aussi dans Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani a dit 315 messagers et 124 000 prophètes. Donc, barakallahu fikoum. Je reviens jeudi. Jeudi, Allah Ta'ala a envoyé dans chaque communauté soit un messager avec une législation spécifique, soit yani, un prophète avec yani, une législation antérieure qu'il revivifie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sur Al-Nahl 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tawhid. Comme il a dit aussi, Fatir 24, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدِيرًا. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Pourquoi Allah Azza wa Jalla envoie l'avertisseur? Pourquoi envoie le messager et le prophète? Pourquoi? S'il n'en voit pas, la personne peut trouver des excuses yom al-qiyama et dire à Allah Ta'ala pourquoi vous allez me rentrer en enfer et vous ne m'avez pas envoyé quelqu'un pour me montrer le chemin à suivre. C'est comme qui, si, astaghfirullah, il veut établir la preuve sur Allah. Or, personne ne peut établir la preuve sur Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui aime, yani, les excuses plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Yann. C'est pour ça que personne ne peut établir sur lui la preuve. C'est pour ça qu'il a envoyé pour que Yom al-Qiyamah, si tu l'as, tu lui as désobéi et qu'il te dise, ou là qu'il dise aux anges, jetez-le en enfer pour que tu ne puisses pas dire, Ya Allah, c'est pas de ma faute. Mais c'est toi qui ne m'as pas envoyé de messager pour me montrer le chemin. Et tu ne m'as pas envoyé de livre pour que je lise ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Donc, alhamdoulilah, personne ne peut établir la preuve sur Allah. Allah Ta'ala a envoyé des livres et a envoyé les messagers. Dans les livres, tout est clair. Et les messagers, ils t'expliquent encore, yani, ce qu'il y a dans le livre, ils t'expliquent parfaitement et t'ajoutent d'autres choses que tu connais pas. Naam. Donc, alhamdoulilah, aucune personne n'a d'excuse pour ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout en nos temps. Surtout en nos temps. Autrefois, la personne, pour connaître un seul hadith, elle achetait une monture et voyageait pendant un mois. Un mois. Vous savez ce qui veut dire voyager pendant un mois à dos de cheval? C'est peut-être, je ne sais pas, peut-être 800 km, peut-être 1000, peut-être, je ne sais pas, à dos de cheval pendant un mois. Non? Pour amener quoi? Pour écouter un hadith. Et dire que, ah bon, je ne savais pas. Donc le prophète a dit telle et telle chose. Imagine maintenant toi, tu cliques seulement sur Google et tu écris un tel hadith ou tu vas dans la Mektaba Shamila ou bien la Mektaba de Sheikh Al-Albani ou bien des milliers de hadiths sont devant toi. Et avec yani, le jugement, hadith authentique, hadith faible, hadith hassan, hadith mursal, hadith mu'adal, حديث ضعيف حديث مقلوب حديث مقطوع حديث مرفوع حديث منقطع tout est devant toi subhanallah les fatwas des savants. Je rentre sur Google, j'écris en arabe hukm kada kada, jugement de je sais pas de l'avortement, jugement Cheikh Ben Baz, il te dit direct. Voilà, fais-toi de Cheikh Ben Baz sur l'avortement, fais-toi de Cheikh Ben Baz sur le wudu, fais-toi de Cheikh Ben Baz sur ceci, sur cela, fais-toi de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Uthaymin Allah Yarhamo, Cheikh Rabi'a, Cheikh Foulan, Cheikh Foulan, subhanallah al-Azim.
Aucune personne de nos jours n'a d'excuses. Yom al-Qiyamah pour dire à Allah Ta'ala, c'est difficile de connaître la religion, je ne pouvais pas. Des milliers d'audios, de grands savants, des milliers d'audios, ce n'est pas des centaines, des milliers. Le Cheikh Fouzan, le Cheikh Ibn Sheikh Saïmi, Cheikh ceci, des milliers d'audios. Sauf si la personne ne veut pas. Sauf si la personne ne veut pas, et donc, et comme on dit, occupé par d'autres choses. Occupé par d'autres choses qui lui ont fait oublier dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'apprentissage de la science. Non. Ensuite, Cheikh Ibn Othim continue en citant les versets de sourate Al-Ma'ida où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ma'ida 44, « Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur » يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs. Jugent les affaires des juifs. Il a dit l'Araf 188, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Allah Ta'ala veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, c'est-à-dire l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et annonciateur. Et annonciateur. C'est pour ça que Cheikh Ibn Othaymeen a dit, les prophètes sont des êtres humains créés, qui ne présentent aucune des caractéristiques de la seigneurie ou de la divinité. Et il a cité ce verset. Donc regardez ce qu'a dit le prophète, pour vous prouver que c'est quelqu'un de créé comme nous. Il dit, je ne détiens pour moi-même ni profit, ni comment refouler un mal, sauf ce que Allah Ta'ala veut. Et si je connaissais le ghaïb, si je vais venir, d'ici demain ou d'ici une demi-heure ou là, j'aurais eu des biens en abondance. Et aucun mal ne m'aurait touché. Pourquoi le prophète, on l'a frappé avec un caillou et on lui a fait une cicatrice sur sa tête, on lui a fait tomber une dent, on l'a empoisonné, on l'a ensorcelé. Donc s'il connaissait ce qui va se passer demain, il n'aurait pas été chez la femme qui l'a, par exemple, invité ensuite pour l'empoisonner. Et à l'endroit où on l'a frappé avec un caillou, il ne serait pas resté dans cet endroit. Comme ça, le caillou ne parviendrait pas à lui. Et comme ça, celui qui lui a fait le cirque, Naam, il ne serait pas allé vers l'endroit où on a mis le cirque, par exemple. Donc c'est une preuve qu'il ne connaît pas ce qui va se passer demain. Donc comment nous, ou là, certains d'entre nous, vont chez le devin, ils vont chez la sorcière, et je ne sais pas, et celui qui a prédit l'avenir, et lui demande, je voudrais savoir si je vais avoir un garçon ou une fille. Je voudrais savoir si je vais réussir à mon bac. Je voudrais savoir qui m'a volé mes bijoux. Je voudrais savoir qui m'a fait le sien. Et comme ça. Donc le prophète islam, la meilleure des créatures, le plus rapproché d'Allah, ne sait pas. Et la personne chez laquelle tu vas, qui ne prie même pas, et qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait tous les péchés du monde, celle-là, elle va te prédire l'avenir. Elle va te dire, demain, il va arriver ceci et cela. Donc je vais voir Madame Soleil. Je vais voir Madame Soleil. Elle va me dire ce qui va se passer demain. Alhamdoulilah. Et comme ça, il ne va rien m'arriver. S'il y a un mal, alhamdoulilah, le mal ne va pas m'arriver. Non. Si elle dit Madame Soleil, elle dit ce qu'elle fait. Elle fait avec de l'argent ou là, elle fait bénévolement. Elle fait avec l'argent. Non. Donc pourquoi elle ne sait pas comment se procurer de l'argent jusqu'à ce qu'elle fasse cette chose. Quelqu'un qui connaît l'invisible et connaît ce qui va arriver demain, il doit savoir et tout l'argent qui va rentrer, où se trouve l'argent et les endroits profitables et la tijara profitable. Donc elle a dit, il faut qu'elle fasse ça pour faire rentrer de l'argent. Et bien sûr, comme il y a des dupes, il y a des juhels,
Elle profite, elle profite. Et quand les coiffeurs vont voir Madame Soleil ou autre, bon, on ne va pas dire que ce n'est pas grave, mais yani, c'est presque normal. Kafir fi kafir. Mais un musulman qui va consulter un devin, et en plus de cela, un devin qui est kafir, là, c'est que vraiment, je n'ai pas d'aqida. C'est que vraiment, je me suis éloigné du dîn. C'est que vraiment, j'ai pas de dîn. Vraiment, vraiment. Un moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Il dit, les prophètes sont susceptibles d'être atteints par tout ce qui peut toucher les êtres humains. Comme la maladie, la mort, le besoin de manger, de boire et autres nécessités. Allah Ta'ala a dit au sujet de Ibrahim alayhi salam, décrivant son Seigneur. Écoutez Ibrahim alayhi salam, ce qu'il dit en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Tayyib, le verset, non, je crois que ça c'est pas affiché, je reviens au verset ici, il a dit, sorte le djinn, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Une seconde, qu'il n'y ait pas de décalage. Ça, c'est toujours la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, et ensuite, قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis vraiment, personne ne sera protégé contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va parler de Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Shu'ara 79. Il a dit, والذي هو يطعمني ويسخين 80 وإذا مرضت فهو يشفين 81 والذي يميتني ثم يحيي تادير et c'est lui Allah Azza wa Jal qui me nourrit et me donne à boire ensuite et quand je suis malade c'est lui qui me guérit et ensuite 81 et c'est lui qui me fera mourir puis me redonnera la vie puis me redonnera la vie Naam. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui me nourrit et me donne à boire. C'est pour ça que le musulman, à chaque fois qu'il mange quelque chose ou qu'il boit, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi at'amani hada wa saqani wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Ou bien à la rigueur, il dit tout juste, alhamdulillah, alhamdulillah, na'am. Et dans son cœur, même s'il n'a pas dit ça avec sa langue, dans son cœur, il reconnaît, il dit, en parlant à soi-même dans son cœur, je me dis, Alhamdulillah, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas ce que je suis en train de manger. Il y a beaucoup de gens qui ne se permettent pas de manger, par exemple, ce que je mange aujourd'hui. Si j'ai mangé du poisson, si j'ai mangé de la viande, si, il y en a beaucoup qui ne mangent pas. Et je ne dois pas voir seulement mon voisin qui est à gauche ou à ma droite, je vois ceux qui sont en Syrie. Je vois ceux qui sont dans les grands problèmes, ceux qui sont encerclés et qui n'ont, yani qui mangent de la poubelle. Si on lui ramène quelque chose de la poubelle, pour lui c'est comme s'il avait mangé, yani le caviar ou le poisson le plus cher. Si tu lui ramènes quelque chose de la poubelle, yani un morceau de pain de la poubelle. Non. Donc quelqu'un qui mange bien il doit toujours dire Alhamdulillah, Alhamdulillah ala had al-khair al-azim, had al-fadl al-kabir, Alhamdulillah ya Rabbi al-alamin, Allahumma zidna min fadlik. Non. Le cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il peut m'arriver d'oublier comme vous. Si ma mémoire me fait défaut, rappelez-moi, rapporté par le Bukhari. Je ne suis qu'un être humain comme vous. D'ailleurs, il peut m'arriver d'oublier comme vous. Et si ma mémoire me fait défaut, rappelez-moi. Mais le prophète n'oublie pas dans les choses qui ont rapport avec le dîn. Il oublie dans les choses qui ont rapport avec la dunya. Il peut te dire, par exemple, va dans, on se rencontre demain devant tel endroit, il peut oublier. Il peut oublier. Non,
mais il ne peut pas oublier quelque chose qui a rapport avec la religion. Il oublie ce qu'il y a dans le Coran et donc ne va pas y en citer tel et tel jugement. Il peut oublier quand il lit dans la salat. Et ça lui est arrivé une fois, il récitait, il priait, il guidait les gens, il n'a pas dit un verset. Et quand il a terminé, quelqu'un lui a dit. Et le professeur lui a dit, pourquoi tu m'as pas dit ça dans la salat? Quand j'étais dans la salat, tu avais le droit de me le faire rappeler. Non. Il dit ici, en faisant leurs éloges et en mentionnant leur plus haut degré, Allah Ta'ala décrit les prophètes comme étant ses serviteurs. D'ailleurs, il a décrit Nuh alayhi salam en disant de lui, Al-Isra 3, Zurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan shakura. Ô vous les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci, Nuh, était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nuh alayhi salam était un serviteur fort reconnaissant. C'est pour ça que les gens, quand ils vont demander à Adam alayhi salam pour faire l'intercession, Yom Al-Qiyama, comme on a cité tout à l'heure, il va les envoyer envers Nuh et va leur dire, allez vers lui. C'est le premier messager et il était un serviteur fort reconnaissant. Il a cité cette qualité de lui. Naam. Il a dit, Allah Ta'ala a dit au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Furqan 1. Tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi, li yakuna lil'alamin nadhira. Qu'on exerce la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Regardez ici deux grandes qualités à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait descendre sur lui le Coran, le livre de discernement. Il n'a pas appelé ici Coran. Il a dit le livre de discernement. Discernement. Pour que tu saches que le Coran, c'est un livre qui te permet de discerner entre le bien et le mal. Entre ce qui te fait rentrer au paradis, entre ce qui te fait rentrer en enfer. Le Coran, pour celui qui le comprend, c'est vraiment un livre de discernement. La première qualité qu'il a citée par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur son serviteur. Allah Ta'ala naam, fait des éloges à Muhammad en disant de lui, c'est son serviteur. Abdihi, abd, c'est quelqu'un naam, qui a la ubudiya, la servitude. C'est pas quelqu'un qui est comme shaitan, qui ne reconnaît pas qu'il est le serviteur d'Allah Ta'ala. Naam. Ou les gens qui ne sont pas les serviteurs d'Allah Ta'ala, mais sont les serviteurs du shaitan. Ils suivent les passions du shaitan. Mais Muhammad alayhi salam, non. C'est son serviteur, Azza wa Jal. Afin quoi? Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Chauffe la deuxième éloge. Deuxième éloge. C'est quoi? Muhammad était un avertisseur à tout l'univers. C'est pas un avertisseur aux Arabes, comme croient certains. Ou là, un avertisseur seulement pour les musulmans, ou là pour les Qurashites, ou là pour ceux de Mecca, ou là d'Arabie Saoudite. Non, à l'univers, y compris qui? Y compris les êtres humains et les djinns. Pas seulement les êtres humains, mais aussi pour les djinns, même pour les djinns, c'est un avertisseur. D'ailleurs, on lui a demandé qu'il aille lire une sourate pour eux. Il est allé la lire aux djinns. Il a pris avec lui Abdullah ibn Saoud et un autre sahabi, ils sont partis pour dire au djinn. Naam. Et au sujet d'Ibrahim alayhi salam, Ishaq et Yaqub, Allah Ta'ala leur a fait aussi des éloges lorsqu'il a dit Safhat 45, Afoun Sad, Sad 45, il a dit Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub udil aidi wal absar. 46, inna akhlasnahum bi khalisatin dikradda. 47, wa annahum indana la min al-mustafin al-akhyar. La min al-mustafin al-akhyar. Et rappelle-toi, et Muhammad, de Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nos serviteurs puissants et clairvoyants.
puissants par leur corps, clairvoyants par leur cœur. Regardez comment ils sont. Comment il leur a fait des éloges. Comment ils sont puissants et clairvoyants. Puissants avec les corps. Il peut beaucoup prier. C'est pas il prie deux rak'at, il dit je suis fatigué. Il est puissant. Il fait le djihad. Il fait avec son corps ce que beaucoup de gens ne font pas. Et clairvoyant avec le cœur. Avec un cœur avec lequel il a le discernement. Il sait la chose que Allah Ta'ala aime pour qu'il la fasse. Et la chose que Allah Ta'ala n'aime pas pour qu'il s'en s'éloigne. 46. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière. C'est quoi? Le rappel de l'au-delà. Le rappel de l'au-delà. Inna akhlasnahum bi khalisan dhikra. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière. C'est-à-dire, ils ont un mérite particulier. Un mérite particulier. Naam. Il a dit aussi, et à propos de Isa, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, 47. Afwan. Mazel, ils sont auprès de nous, certes parmi les meilleurs élus. Maintenant, parlons de Isa, alayhi salam, Jésus, Zukhruf 59. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Il, c'est-à-dire Isa, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. Et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Non. Donc, c'est un serviteur lui aussi, c'est un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. Et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. La croyance au prophète, dit Cheikh Ibn Uthaymeen, est constituée de quatre éléments. Quatre éléments. Un, c'est-à-dire s'il manque un de ces éléments, on n'a pas cru au prophète. Même si je dis je crois en Jésus, je crois en Mohammed, je crois en Moussa, tout ça c'est rien s'il n'y a pas les quatre éléments que je vais citer. Premièrement, croire que leur message provient véritablement d'Allah Azza wa Jal. Croire vraiment d'Allah Subhanahu Azza wa Jal. Quiconque donc renie le message d'un seul d'entre eux, les aura tous reniés. Quiconque renie le message d'un seul d'entre eux, il les aura tous reniés. Certains te disent par exemple, moi je suis chrétien, donc je crois seulement au message de Isa, Jésus. Lorsqu'il te dit je suis juif, je crois seulement au message de Moussa. Alors nous on dit, quiconque renie un seul message d'un messager, des messagers qui sont, comme on a vu tout à l'heure, 315, naam, ça veut dire il a renié tous les autres. La preuve, quelle est la preuve? La preuve, vous allez voir, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Shu'ara 105, il a dit, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé, de Nuh, traita de menteurs les messagers. Or, vous savez que Nuh, on a vu tout à l'heure que c'était le premier messager. C'est le premier messager. Alors, comment son peuple traita de menteurs les messagers et les autres, alors qu'ils ne sont pas encore venus? Pour comprendre cela, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallahu ta'ala dit, Allah les a donc considérés comme ayant renié tous les messagers, alors que seul Noé, Nuh, était présent parmi eux lorsqu'ils le traitèrent de menteur. Donc, le peuple de Nuh, en traitant Nuh de menteur, ça veut dire qu'il a traité tous les autres messagers qui sont venus après lui de menteurs. Pour dire que si quelqu'un traite ou ne reconnaît pas le message d'un seul messager, pour Allah Ta'ala, il est kafir, c'est comme s'il n'a pas reconnu tous les messages des autres messagers. Donc, si je suis, par exemple, musulman, et je vais dire, moi, ça me suffit de croire au messager de Mohammed alayhi salam. Quant au message de Isa alayhi salam, ou bien de Nuh, ou bien de Ibrahim, ou bien de Ishaq, ou bien Yaqub, ou bien, ça, je n'y crois pas. Donc je suis devenu kafir. Et je suis sorti de l'islam. Pourquoi? Parce que je dois croire en tous les messagers, en leur message.
Il dit ici, par conséquent, les chrétiens qui ont renié Mohammed a.s.w. et ne l'ont pas suivi, ont renié par la même occasion le Messie, fils de Marie, et ne l'ont pas suivi. Donc le chrétien, quand il renie Mohammed a.s.w. et son message, il a renié aussi Isa a.s.w. Jésus. Non. D'autant plus qu'il leur avait annoncé la prophétie de Mohammed a.s.w. Or, cette annonce n'avait pour but que de les informer que le prophète Mohammed a.s.w. serait envoyé à eux afin de les sauver de l'égarement et leur montrer le chemin de droiture. Donc ça, c'est premièrement. Premièrement, on a dit que croire, il faut croire que leur message provient véritablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, donc on a dit il y a quatre choses. Deuxièmement, croire en particulier au prophète dont le nom nous est connu. Comme Mohammed alayhi sallam, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh alayhi sallam, ces saints prophètes sont les saints messagers doués de résolution. Ces saints messagers, je répète, qui sont Mohammed alayhi sallam, Abraham, Moussa, qu'ils appellent Moïse, Isa, qu'ils appellent eux Jésus, Nuh, qu'ils appellent Noé. Ces cinq sont les prophètes, les messagers doués de résolution. Ulul Azm. Pourquoi? Ce sont les meilleurs, les cinq meilleurs, et les cinq, ça s'appelle Ulul Azm, doués de résolution, les cinq qui ont souffert le plus avec qui? Avec leur peuple. Les cinq qui ont souffert le plus avec leur peuple. Je répète, ce sont Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh. Ces saints prophètes sont les saints messagers doués de résolution. Allah Azza wa Jalla les a cités à deux reprises. La première dans Sourate Al-Ahzab. Sourate Al-Ahzab, verset 7, il a dit: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, Mohammed, ensuite de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Un engagement, ça c'est la première fois où ils ont été cités. Non. Et la seconde, dans Sourate Shu'ara. Sourate Shu'ara. Lorsque Allah Ta'ala a dit, Shu'ara, Afun, Shu'ara 14, Shara'a lakum min ad-din, mawsa bihi Nuhan alladhi awhayna ilayk, wa mawsayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih. Il vous a dit, dire de religion, ce qu'il avait enjoint à Nuh, Noé, ce que nous avons révélé, toi, Muhammad, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Ibrahim, à Moïse, Moussa, et Jésus, Isa. Nous avons enjoint quoi? Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. De division. Quant aux prophètes, dont nous ne connaissons pas le nom, il faut croire en eux de matière globale. Donc tous les messagers qui ont été cités avec leur nom dans le Coran ou bien dans les hadiths authentiques par rapport à nous, il faut qu'on croie en eux avec leur nom. Quant à ceux dont on ne connaît pas le nom, on croit en eux de manière globale. Allah Ta'ala dit sur Surat Ghafir 78: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Certes, nous avons envoyé avec toi des messagers, il en est certains dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc, ceux dont Allah Ta'ala a raconté l'histoire, on connaît leur nom, et il y en a d'autres dont on ne connaît pas, il n'a pas parlé d'eux. Donc, s'il n'a pas parlé d'eux, on ne connaît pas leur histoire. Ah, on ne connaît pas leur nom. Troisième règle. On doit croire aux récits authentiques
qui nous sont parvenus à leur sujet. On doit croire aux récits authentiques qui nous sont parvenus à leur sujet. Donc maintenant, si il y a un hadith authentique, ou bien il y a un passage où Allah Ta'ala parle, par exemple, de Moussa alayhi salam, il lui est arrivé telle et telle chose avec le pharaon, ou bien un hadith authentique te dit que tel prophète a fait telle et telle chose, ensuite toi tu vas dire, non, je crois pas en ça. Alors, si tu ne crois pas en ça, ça veut dire que tu ne crois pas en ce prophète. Tu ne crois pas en ce prophète. Parce qu'on t'a ramené des récits authentiques, j'ai bien dit authentiques, qui se trouvent dans le Coran, ou bien dans la sunna authentique. Et tu refuses d'y croire. Et tu refuses d'y croire. Donc tu n'as pas cru en ce messager. Et quatrièmement, pour terminer, on doit agir en fonction de la législation du ou des prophètes qui nous ont été envoyés. À savoir, le sceau des messagers Mohammed alayhi salallahu alayhi wa sallam, envoyé à toute l'humanité. Allah Ta'ala a dit, Nisa 65, « Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadayt wa yuslimu slima. » Non, par ton Seigneur, Allah Ta'ala a juré, je jure par ton Seigneur. Il a juré par lui-même. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas, c'est-à-dire pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si vous saviez, ce verset est descendu sur Zubair ibn al-Awwam ou bien son fils, Abdullah ibn Zubair, l'un des deux, avec un Ansari. Ils se sont disputés à cause de qui doit, disons, arroser yani son jardin. Bon, c'est pas un jardin, yani ils avaient des morceaux de terre comme ça. Qui doit arroser le premier? Naam. Zubair a dit c'est moi et l'autre a dit c'est moi. L'autre Ansari, c'est-à-dire quelqu'un de Médine, un Médinois. L'autre a dit c'est moi et l'autre a dit c'est moi. Ensuite, le prophète est passé par là. Donc, il a jugé à qui? À Zubair. Zubair ibn al-Awwam. Ou bien à son fils. Quand il a jugé, l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? L'autre, le deuxième. Il a dit, Ya Rasulallah, in kana ibn ammatik. C'est-à-dire, tu as jugé en sa faveur parce que c'est le fils de ta tante maternelle. Ibn ammatik. L'amma, c'est la sœur du père. Il a dit, c'est parce que c'est son fils. C'est pour cela que tu as jugé pour lui. Allah Ta'ala fait descendre le verset. Non, je jure par moi-même, par ton Seigneur, qu'ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils t'auront demandé de juger de leurs disputes, et après cela qu'ils n'auront éprouvé aucune nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Pour une petite chose là, sœur paternelle, un point si j'ai dit sœur maternelle, sœur paternelle, naam. Donc, tant que cette personne a dit que et n'a pas accepté le jugement du prophète Hassan quand il a dit c'est l'autre, c'est Ibn Zubair qui doit arroser le premier. Tant que cette personne n'accepte pas, d'abord, elle n'accepte pas que ce soit toi qui juge. Et maintenant, si c'est toi qui juge, Yann Mohamed, Yanni, après avoir jugé, ou bien elle n'accepte pas, ou bien elle trouve de l'angoisse dans son cœur. Et disent pourquoi il a jugé comme ça. Et que la personne ne se soumet pas complètement à la sentence, elle n'est pas croyante. Et ça, on dit, n'est pas croyante ici, ça veut dire ou bien est sortie de l'islam, ou bien n'a pas la croyance parfaite. Même si elle est toujours restée en islam, naam, parce que yani, elle a juste éprouvé un peu de gêne dans son cœur, un peu d'angoisse. Donc ça fait pas sortir d'islam. Ça fait sortir d'islam si je dis, Ya Mohamed, naam, tu as jugé, yani, comme on dit nous, avec du piston. C'est pas vrai. Tu as pistonné cette personne. Tu as jugé, yani, avec injustice. Si quelqu'un dit comme ça, il sort. Mais s'il reconnaît, il dit d'accord. Yani, il a donné raison à l'autre. Mais tu éprouves toujours dans ton cœur quelque chose qui brûle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta croyance n'est pas parfaite.
On va pas dire tu es sorti, mais on va dire ta croyance n'est pas parfaite. Car Allah Ta'ala a dit, même qu'est-ce qu'il a dit? Ils doivent à la fin n'éprouver nulle angoisse quand tu auras décidé quelque chose, un jugement. Ils ne doivent éprouver nulle angoisse, et en plus de cela, ils doivent se soumettre complètement à ton jugement, à ta sentence. La croyance au messager engendre des bienfaits exceptionnels. Engendre des bienfaits exceptionnels, à savoir, premièrement, ça nous aide à reconnaître la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits qu'il prodigue à ses serviteurs. En effet, il leur a envoyé des messagers qui leur montrent la voie d'Allah et leur indiquent comment l'adorer, car la raison humaine seule ne peut concevoir cela. Si Allah ta'ala n'avait pas envoyé de prophètes, non, et les prophètes avec leurs livres, comment moi je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Moi, je vais dire telle chose est bien, l'autre va me dire non, telle chose n'est pas bonne, elle est mauvaise. Moi, je vais dire Allah Ta'ala aime telle chose, l'autre va me contredire, va me dire c'est pas vrai, Allah Ta'ala déteste cette chose. Mais alhamdoulilah, maintenant les prophètes, ce sont eux qui nous montrent, ils nous disent voilà le chemin à suivre, voilà ce que Allah Ta'ala aime, faites-le, voilà ce que Allah Ta'ala n'aime pas, yani, ne le faites pas. Et comme ça, une seconde. Vous m'entendez, je continue? Vous m'entendez? Alhamdoulilah. La raison humaine seule ne peut connaître cette chose. Si Allah Ta'ala nous avait laissé à nos raisons, on se serait tous égarés. Nous à la maison, deux ou trois ou quatre membres à la maison ne peuvent pas se mettre d'accord sur la même chose. Non. Deux vont dire telle chose est bonne et il faut la faire, c'est une bonne chose. Les deux autres vont dire quelque chose de mauvais. Non, mais alhamdoulilah, le Coran et la Sunna te montrent. On n'est pas d'accord sur une chose. Viens, on va voir ce que dit le Coran et la Sunna sur cette chose. On va savoir si elle se fait ou elle se fait pas. Non. Deuxièmement, remercier Allah Ta'ala pour ses immenses bienfaits. Remercier Allah Ta'ala, la personne doit remercier Allah Ta'ala pour ses immenses bienfaits. Regardez les kuffars et regardez les hindous et les bouddhistes, etc. Comme yani, ils ne suivent pas de messagers et des athées, etc. Yani, comment qu'ils font? Ils adorent Zama pour eux, ils adorent Allah Ta'ala de la façon qui, yani, eux, ils voient que c'est une bonne façon. Celui-là, il adore le rat, l'autre, il adore le chat, l'autre, il adore... des choses yani, affreuses qu'on peut même pas citer, l'autre il a subhanallah. Pourquoi? Parce que yani, ils n'ont pas un messager yani, à suivre, comme nous on a un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit remercier Allah ta'ala jour et nuit. Comment yani, les messagers ont été envoyés pour souffrir, pour te montrer comment rentrer au paradis. Subhanallah. Ils souffrent comment te yani, pour te montrer comment rentrer au paradis. C'est ça la fonction du messager. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih où le prophète alayhi sallam dit « Je suis pour vous, yani, bimathabat al-ab, comme le père. » C'est pour ça que certains savants disent, comme c'est permis de dire de l'épouse du prophète sallam qu'elle est la mère des croyants, ils ont dit c'est permis de dire du prophète sallam que c'est le père des croyants. Et encore certains savants disent mieux encore, c'est mieux qu'un père. Pourquoi? Comme dit Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari, il dit le père, le maximum qu'il puisse te donner, c'est la dunya. Il t'achète la belle voiture, il te construit une belle villa, et il te marie avec la plus belle femme du monde et la plus riche. Maximum ce qu'il peut te donner, et quand il meurt, il te laisse des immeubles et des voitures et des... Voilà le maximum qu'il peut te donner. Mais est-ce qu'il peut te faire rentrer au paradis? Te montrer comment rentrer au paradis? Te montrer comment adorer Allah? Il peut pas. Pourquoi? Ça, c'est la fonction du prophète. C'est lui qui te montre comment adorer Allah Ta'ala et comment te trouver à la fin
dans un paradis immense pour vivre éternellement. Éternellement et sempiternellement, comme on dit. Sempiternel, yani qui n'a pas de fin, l'infini de l'infini. Non. Enfin, la troisième chose qu'il y a, c'est aimer les messagers. Non. Aimer les messagers, éloge et paix sur eux. Alayhi salatu salam. Il dit ici, et les respecter, leur faire les éloges correspondant à leur degré, car ils sont les messagers d'Allah. Ils l'ont adoré de la meilleure façon, en transmis son message et conseillé ses serviteurs. Donc nous, on doit aimer ces messagers qui ont souffert pour nous montrer comment rentrer au paradis, qui ont souffert pour nos intérêts, subhanallah al-azim, pour nos intérêts. Ils ont fait le djihad, ils n'ont pas dormi la nuit, ils ont fait ceci, cela, juste pour te montrer, pour faire de sorte que le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala t'arrive, le message t'arrive, la sunna t'arrive, tout ça pour tes intérêts, pour entrer au paradis. Donc on doit connaître leur valeur, ne pas les sous-estimer. Et aussi, entre parenthèses, ne pas les surestimer, ne pas les faire monter plus que leur valeur. Comme certains juhad, il dit que le prophète Hassan connaît l'invisible. Pourquoi? Il te dit parce que c'est la meilleure créature, donc il faut lui donner un statut comme ça et dire de lui qu'il connaît l'invisible, donc c'est lui qui fait rentrer au paradis, c'est lui qui fait rentrer en enfer, c'est lui qui pardonne, c'est ceci, cela. Tout ça n'est pas vrai. Si vraiment tu aimes le prophète alayhi salatu wasalam et le messager, tu dois le mettre à sa juste valeur. Ne pas le sous-estimer, mais aussi ne pas le surestimer. Attention. Ne tomber ni dans le moins, ni dans le plus. Être au milieu. Ni je le sous-estime, je dis de lui c'est n'importe qui, c'est quelqu'un comme nous. Ni le surestimer et le mettre au même statut que Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, les mécréants, dit Cheikh Ibn Uthaymeen, obstinés, ont traité leurs messagers de menteurs, en prétendant que les messagers d'Allah ne devraient pas être du genre prétention, il l'a réfuté aussi. Lorsqu'il a dit, sorte Isra 94. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Donc les kuffars, ils ont dit non, puisque c'est un être humain, je ne vais pas croire en lui. Ils ont dit, comme Allah Ta'ala a cité, et raison de croire les kuffars, quand le guide leur est parvenu, le messager, si ce n'est qu'il disait, qu'est-ce qu'il disait? Allah envoie-t-il un être humain messager? Comment? Comment moi je dois croire en cette personne qui est une personne comme nous, qui marche, mange, boit et va aux toilettes? C'est pas possible. Il envoie un être humain. Ensuite ils disent, Allah Ta'ala leur répond, il leur dit, dis-leur à Muhammad, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Donc eux, ils ont dit, on n'accepte pas que le messager soit un être humain comme nous. On voudrait qu'il soit un ange. Et Allah Ta'ala leur a répondu, si sur terre il y avait des anges qui marchaient, si vous étiez des anges, vous, alors d'accord, j'aurais fait descendre sur vous un messager qui est un ange. Mais vous, vous êtes des êtres humains. Je dois descendre sur eux, des êtres humains aussi. Des êtres humains aussi. Non. Et là, on va ajouter aussi autre chose. Un autre verset aussi, on ne l'a pas cité ici, où Allah Ta'ala a dit, Al-An'am, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلِهِ مَلَكٍ. Allah Ta'ala dit, وَلَوْ أَنزِلَ مَلَكًا لَقُدِيَ الْأَمْرُ تُمَا لَا يَنْدَارُمْ. Un autre verset qu'on n'a pas cité, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah Ta'ala, pour vous montrer pourquoi Allah Ta'ala ne fait pas descendre un messager qui est un ange, mais il descend un homme comme nous. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit. وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبِسُونَ. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur Muhammad un ange? Allah Ta'ala dit, si nous avions fait descendre un ange
c'eût été sûrement affaire faite. Puis, on leur eut point donné de délai. Il va citer ici, yani, pourquoi Allah Ta'ala ne fait pas descendre un messager comme ange. Il dit, si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite. Donc, vous demandez que je fasse descendre un ange. Maintenant, si je fais descendre un ange avec ses ailes et sa tête qui monte jusqu'au septième ciel, et yani, lui avec une taille immense, immense, ensuite vous n'allez pas croire. Car yani, les kofars, comme vous savez, même si Allah Ta'ala fait descendre des anges, comme il a cité dans un autre verset, ils ne vont pas croire. Ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est du sihr. Ils vont dire c'est de la sorcellerie. Ou bien ils vont dire, c'est nos yeux qui ne voient pas bien. Ils vont s'essuyer les yeux, ils vont, non, je ne vois pas bien. C'est un mirage. C'est un mirage, je ne vois pas bien. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit, alors, si j'avais fait descendre un ange et ils ne vont pas croire, c'eût été sûrement affaire faite. Ça veut dire, il va les exterminer. Donc, si je fais descendre un ange, un messager qui est un ange, et ensuite vous n'allez pas croire, c'est très mauvais pour vous. Je vais vous exterminer. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les gens. Que s'ils demandent quelque chose, Allah ta'ala te demande de croire sans voir, de croire à l'invisible. Mais si maintenant tu demandes que l'invisible devienne visible et fait descendre des choses comme ça, des miracles, ensuite tu crois pas, c'est ta fin. Tandis que s'il descend pas des choses comme ça, yani des miracles, malik, il te laisse vivre. Tu dis, continue à vivre comme ça, tu ne crois pas à l'invisible, continue à vivre, quand tu meurs, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais si par contre, il fait descendre des choses comme ça et tu ne crois pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala, yani, vite, yani, il se venge d'eux. C'est pour ça que, il dit ici, si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme. Et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Donc, vous demandez que je fasse descendre un ange comme messager. Moi, je vous dis que s'il descend un ange et vous n'allez pas croire, je vais vous exterminer. Donc, pour éviter de vous exterminer, je ne vais pas faire descendre un ange. Je vais descendre un homme. Un homme. Et maintenant, si je fais des... il dit, et si je vais descendre, comme dans le verset 6, si nous aurions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme. Je ne peux pas le faire descendre comme ange, car si je le descends comme ange, vous n'allez pas croire, et je vais vous exterminer. Donc, pour que vous restiez vivant, je vais descendre un ange en tant qu'homme. Et si maintenant, je le descends en tant qu'homme, donc, vous allez rentrer dans la grande confusion. Pourquoi? Vous n'allez pas savoir si c'est un ange ou c'est un homme. La preuve, quand il leur a envoyé Jibril alayhi salam, il est envoyé comme quoi, vous connaissez le hadith du voyageur, habillé avec un blanc, immaculé, cheveux très noirs, etc. Personne ne l'a reconnu. C'était le prophète qui leur a dit, vous savez qui c'est celui-là? Ils ont dit non. Il a dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre la religion. Donc à quoi ça sert de l'envoyer en tant qu'homme? Si vous n'allez pas le reconnaître, il va y avoir une confusion. On va dire, cet homme, est-ce que c'est un ange ou bien c'est un homme? Celui-là, c'est Jibril ou bien c'est un homme naturel comme nous? Donc, vous allez rentrer dans une grande confusion. Donc, c'est pour ça que la meilleure solution pour vous, c'est que je vous envoie qui? C'est que je vous envoie un homme comme vous. Il a dit dans Sourate Baqara, « Ya Muhammad, sept bani Israël, kem ataynahu min ayatin bayina » وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Parce que, si vous demandez que je fasse quand je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un demande à Allah Ta'ala de lui faire descendre un ange comme messager, ou bien un miracle du ciel, ensuite il va pas croire, c'est très grave pour lui. C'est pour ça qu'il a dit ici, il a dit, Ya Muhammad, demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère ne reconnaît pas le bienfait d'Allah après qu'il soit parvenu, alors vraiment Allah Ta'ala est dur en punition. Maintenant, s'il descend un ange, vous n'allez pas croire.
Allah Ta'ala sera très dur en punition. Il va vous exterminer. C'est pour ça que de préférence, je vais vous descendre sur vous un homme et non un ange. Regardez lorsqu'il a dit dans le Maïda 112. Idhala al-hawariyoun ya Isa ibn Maryam. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Rappelle-toi, Mohammed, le moment où les apôtres de Isa, de Jésus, dirent: Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Une table. Qu'a dit Isa a.s. Craignez plutôt Allah Azza wa Jal, si vous êtes croyant. Craignez Allah. Restez dans vos limites. Ne demandez pas une chose pareille. Comment Allah Ta'ala ne peut pas descendre à une table? C'est difficile pour Allah Ta'ala de la faire descendre. Et ensuite, s'il la fait descendre et vous n'allez pas croire, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit après ce verset, il a dit: قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ شَهِيدِينَ. Voilà l'excuse qu'on voudrait à cause pour que Allah Ta'ala fasse descendre la table. C'est juste, yani, nous voulons manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité, et en être parmi les témoins. Allah Ta'ala a dit. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. عيسى عليه السلام a dit: Oh Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit en même temps une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Écoutez Allah Ta'ala ce qu'il va dire alors. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. D'accord, oui. D'accord, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous ne va pas croire, je le châtirai d'un châtiment sans d'autres dans l'univers. Ah, vous voyez? D'accord, vous voulez que je fasse descendre une table pleine de manger, de viande du paradis, de comment ça s'appelle, les fruits du paradis. D'accord, je vais faire descendre tout ça. Mais je vais vous dire une chose: quiconque va refuser d'y croire, je le châtirai d'un châtiment dont je ne châtirai personne d'autre dans l'univers. C'est pour ça que c'est mieux pour vous de ne pas demander cette chose. Ne demandez pas. Car si vous demandez, je fais descendre quelque chose du ciel, ensuite vous n'allez pas croire, je vais vous exterminer. Je vais vous exterminer. Non. Enfin, Allah Azza wa Jal a relaté les propos de ceux qui traitent les messagers de menteurs, Naam, et qui disent, Naam, lorsque Allah Ta'ala a dit, Ibrahim dit, s'il a dit, leur messager dire, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous une preuve évidente. Une preuve évidente. Leur messager leur dit, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah Ta'ala favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous donner quelques preuves que par la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Naam. Voici, inshallah ta'ala, naam, par rapport, yani, à la croyance au messager. Le prochain cours, inshallah ta'ala, ce sera la croyance au jour dernier. La croyance au jour dernier. Qu'on laissera, inshallah ta'ala, pour samedi prochain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer dans un quart d'heure, inshallah ta'ala. Tfadal. Je voulais juste te dire, je ne sais pas si c'est chez moi seulement ou pas, mais moi je t'entends pas bien. Pas dans le sens où ça grésille ou je ne sais quoi.
dans le sens où c'est le micro, le sang est faible. J'entends pas bien, c'est à 20% ou à 30%. Enfin, essaye d'augmenter le volume, inchallah ta'ala, tafaddal. Alhamdulillah. Donc, je répète ce que je disais. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, Cheikh fait une pause de 15 minutes, le temps de récupérer quelques questions. Et les questions qu'on va récupérer sont portées sur le cours. Et Cheikh accepte qu'on en récupère des questions sur la salat, le fiqh, la aqida. Et ce sera une question par personne. Naam, une question par personne. Et les sœurs, min fadlikum, essayez d'ouvrir vos PV lorsque je viens vous voir pour récupérer les questions. Barakallahu fikoum. Et de toute façon, pour que je puisse récupérer votre PV, si vous ne voulez pas ouvrir vos PV, rajoutez-moi un ami le temps du cours et ensuite vous m'enlevez de votre liste d'amis, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. Fawzi, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Il y a pour les sœurs, il y a une sœur qui s'appelle Contact Sœur. Contact Sœur, c'est une sœur. Donc elle peut contacter les sœurs. C'est elle qui contacte les sœurs. Et toi, Inch'Allah ta'ala, tu contactes les barbus. Hein? Voilà. Ensuite, tu avais dit que il y avait deux remarques pour le cours. Tu avais deux remarques pour le cours. Ces remarques, ah, c'est toi, d'accord. Alors, laisse Inch'Allah ta'ala pour, quand je reviens dans 10 minutes, Inch'Allah ta'ala, un quart d'heure, on commence par les deux remarques, Inch'Allah ta'ala. Et moi, je dis et je redis. Toute personne, qui remarque quelque chose dans le cours, naam, c'est obligé pour elle de nous montrer yani, quelles sont les remarques. Maintenant, si la personne qui fait la remarque a remarqué que j'ai dit quelque chose de faux, moi, je dis des choses fausses. Pourquoi? Car je suis comme tout le monde et je me trompe. Naam, il se peut que yani, j'ai des doutes sur une chose, il se peut que je connaisse une chose et que je l'oublie, et se peut que je ne connaisse pas du tout une chose. Et croyant que cette chose est ainsi, je vais la dire. Ensuite, quelqu'un va me corriger, il va me dire, non, justement, ce hadith n'est pas authentique. Ou bien tel savant a dit que ce que vous dites là n'est pas vrai, c'est faux, etc. Et qu'il me corrige. Alhamdulillah, ce sera une ni'ma pour moi et pour les gens qui sont en train de m'écouter pour ne pas apprendre quelque chose de faux. Et, il y a une deuxième chose, il est possible que la personne croit que je me suis trompé. Et que, en me faisant la remarque, je la corrige, moi. Je lui dis, justement, ce n'est pas comme ça, c'est ceci, cela, c'est toi qui te trompes. Et là aussi, c'est une ni'ma pour la personne elle-même, qui croyait que c'est une faute et qu'elle a été corrigée, alhamdulillah. Donc, c'est toujours, on ne sort pas de la ni'ma. Bi-idhillah et ta'ala. Donc à tout à l'heure, inshallah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, contact sœur. Est-ce qu'elle est avec nous? Contact sœur. Fadlou pour la première question. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, inshallah, nous allons passer à la première question. Question d'un frère. Cheikh, j'ai des gros soucis avec mon travail. Je travaille au CHU de Lille. Le CHU, Cheikh, c'est l'hôpital Naam, au CHU de Lille. Et ils m'ont changé de secteur du fait que je porte la barbe. Ils m'ont mis sur un secteur très difficile au sous-sol d'un bâtiment pour ne pas être vu par les patients. J'ai donc demandé pour qu'ils me licencient dû à cela. Et aussi à la mixité. Mais malheureusement, ils ne veulent pas, ils m'ont mis un congé forcé. Non, un congé forcé, apparemment c'est un congé forcé à Frenchir parce que c'était les mots n'étaient pas bien écrits. Ils m'ont mis un congé forcé indéfiniment sans que je touche mon salaire. Cela fait 2 mois que je ne touche plus de salaire. Et cette preuve a été le déclic pour mon projet de Hijra. Ma question est... Dois-je payer la zakat annuelle en sachant que c'est ce mois-ci que je paye tous les ans et que je vis actuellement de mes économies? Barakallahu fikoum, cheikh. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu salam ala shurq mursalim. Toute personne qui a le seuil, ce qu'on appelle en arabe un nisab. Le nisab, chaque année, il se peut qu'il ne soit pas le même. Des fois, par exemple, c'est 35 millions, 38 millions, 40 millions. Ça s'appelle le seuil, le nisab. Toute personne qui a de l'argent de côté, y compris or et argent, etc., bijoux, etc., et que ça atteint le nisab, ça atteint le seuil, la personne, si maintenant une année s'est écoulée sur les biens qu'il a, l'argent, etc., qui ont atteint le seuil, il doit faire sortir la zakat. De même que c'est permis si un jour, avant que l'année ne s'écoule, un jour, il reste un jour, demain je dois sortir la zakat. Aujourd'hui c'est la veille. Un jour avant, s'il y a un projet, où je dois me marier, ou bien je dois acheter une voiture, ou bien je dois, j'achète, c'est permis. Car mon intention, ce n'est pas de me sauver de la zakat, mais c'est de faire ce tel et tel projet. Et le contraire est valable. Mais m'écouler, c'est trop tard. Je dois sortir de la zakat, même si j'avais projet d'aller au Hajj, même si j'avais le projet de me marier, même si j'avais le projet d'aider les musulmans, même si j'avais le projet de faire Hijra, tout ça ne compte plus. Si j'ai atteint le seuil et l'année s'est écoulée, je dois donner la zakat. On passe à contact sœur. Contact sœur, est-ce que tu es là? Alhamdoulilah. Donc, c'était quoi? Il y avait deux remarques. Est-ce que c'est possible de les écrire? La première, ensuite la deuxième. Fadli. Par rapport à l'attente, ce n'est pas 50 000 ans, mais 40 ans. Premièrement, je ne sais pas, je ne suis pas très sûr si ce qu'a écrit ici contact sœur, si c'est elle, non, si c'est elle qui fait le résumé, ou bien celui ou celle qui a posé la question a dit comme ça. Il a dit ce n'est pas 50 000 ans, mais 40 ans, etc. Car je voudrais dire, toujours, quand on veut faire une remarque à quelqu'un, lui corriger, on fait toujours de sorte comme si c'est une question. On ne dit pas, par exemple, ce n'est pas 5 000, mais 40. Mais on dit, il me semble, par exemple, il me semble que, d'après ce que j'ai lu, ou entendu, ou appris, que les savants disent que c'est plutôt 40 ans et non 50 000. Est-ce que c'est vrai? Comme ça on dit, c'est comme si Yanni on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe? Et comme ça. Le mohim. Je dis, il n'y a pas Yanni, un hadith ou un verset comme ça clair qui dit que les gens Yanni vont attendre pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Mais le hadith est clair quand il a dit que Yanni Yom al-Qiyamah, ce jour durera Yanni un jour. C'est pour ça qu'il s'appelle Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. C'est un seul jour. Mais Yanni, comparé à nos jours, c'est 50 000 ans. Comparé à nos jours, c'est l'équivalent de 50 000 ans. Et ensuite, ensuite les gens, Yanni, ce n'est pas tout le monde qui va rester Yanni pendant toute la journée. Il y en a qui vont rester une demi-journée, il y en a qui vont rester moins que cela, surtout le croyant. Car dans un hadith authentique, il est cité que, pour le croyant, ça se passera comme si c'était entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Pour le croyant, ça se passera comme si c'était entre Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr. Et pour d'autres, il y en a qui ne sont pas croyants, ou qui ont fait beaucoup de fautes, ou beaucoup de péchés, ou bien, il y en a qui, comme j'ai dit, peut rester toute la journée pour que Yanni, il sache où il va aller. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih du prophète alayhi sallam qui dit que chaque personne qui ne donnait pas la zakat, il a dit que Yom al-Qiyamah, on lui ramènera les biens qu'elle avait, par exemple l'or qu'elle avait ou l'argent, etc., duquel il ne donnait pas la zakat. Il a dit on va les mettre dans le feu jusqu'à ce qu'il brûle, Yanni, devienne rouge. Ensuite on va le plaquer sur son front, il a dit sur son côté, son flanc, et sur son dos. Et sur son dos,
il a dit dans une journée, fi yomin kana miqdaru 50 alf sana, dans une journée qui est l'équivalent de 50 000 ans. Il a dit jusqu'à ce qu'il voit sa destination, c'est le paradis ou bien c'est l'enfer. C'est le paradis ou bien c'est l'enfer. Donc le jour lui-même, c'est lui qui est l'équivalent de 50 000 ans. Mais la personne qui va rester, c'est d'après sa croyance, si elle était bonne ou mauvaise, et d'après ses actions, s'ils étaient bons ou mauvais. Deux personnes, deux musulmans ne peuvent pas être, ne peuvent pas rester le même, c'est pas oublié, deux mécréants, même les mécréants, c'est pas oublié qu'ils restent deux, le même moment. Il y a un mécréant qui, deux frères, il y a Abu Lahab et il y a Amr Nabi Aslam Abu Talib. Et ce sont deux mécréants, mais ce sont pas des, ils ont pas fait les mêmes œuvres. Ou les mêmes, yani, grands péchés. Même si les deux sont des kofars, mais c'est pas la même chose. Al-Muhim. Quant au hadith, qui parle de 40 ans, si quelqu'un va bien dire le hadith, naam, tout à l'heure je l'avais, maintenant je sais pas si je vais le trouver, une seconde si je peux trouver le hadith. Bon. Il n'est pas ici devant moi. Donne-nous le lien. Il est dessus. Dessus où? Dessus ou dessus? C'est difficile pour le trouver. Celui-là? Taïeb, je vais essayer de connecter une seconde. Une seconde, je clique sur le lien, une seconde. Une seconde. Donc, dans le hadith, c'est dit, Allah rassemblera en un jour désigné les premières et les dernières générations. Les premières et les dernières générations. Ensuite, c'est écrit, Naam, elles se mettront debout, 40 ans durant, les yeux hagards, dirigés vers le ciel, attendant que le jugement soit rendu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me lisez? Écrivez numéro 1. D'accord. Donc, si on va un peu méditer sur Hadith, suivez avec moi ce qu'a dit sur Hadith. Bon, je place le micro là-dedans. Donc le hadith qu'a dit, c'est un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Les personnes se mettront debout, 40 ans durant, les yeux dirigés vers le ciel, attendant que le jugement soit rendu. Le hadith ne dit pas que ils resteront 40 ans et années à attendre, mais il a dit que ils se mettront debout, 40 ans, les yeux dirigés vers le ciel. Il est en train de parler de la durée que mettront les gens à regarder seulement vers le ciel sans clignoter des yeux. Cette durée seulement, c'est de 40 ans. Mais il ne parle pas en général qu'ils resteront 40 ans. Non. Tayyib, c'était quoi la deuxième remarque? La deuxième remarque, c'était quoi? Cheikh a dit les psaumes de Ibrahim, alors que c'est les psaumes de David et les feuilles de Ibrahim. Wallah, je crois que c'est vrai. Naam, je crois que c'est la personne qui a raison. Parce que Allah Ta'ala a dit, Sohuf Ibrahim wa Moussa. Sohuf, si c'est les feuillets, c'est, si on dit en français feuillets, donc c'est feuillets. Sohuf Ibrahim wa Moussa. Et en parlant de Daoud alayhi salam, il a dit, Daoud à Zabora. Zabora, peut-être c'est les psaumes, hein. Donc, si j'ai dit le contraire, il faut corriger. Biznaï ta'ala. Naam. Jazallahu khairan pour celui qui a fait cette remarque. Fadla pour les autres questions. Naam, Cheikh. Donc, on passe à la question numéro 2. Question d'une sœur. Quel est le jugement de dire At-tawassul ilayka billah? Barakallahu fikum, Cheikh. Tafadda. At-tawassul ilayka billah.
qu'il faut savoir, c'est que un sunna ou jama'a, quand ils font le tawassul, ils le font. Tawassul, c'est yani le moyen de se rapprocher envers Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. On se rapproche, yani, avec nos œuvres, avec yani, ce qu'on a fait de bien. Ou bien on se rapproche, yani, avec notre iman, notre foi. Non. En général, le sunnah ou jama'a ne se rapproche pas, yani, d'une personne, yani, en prenant comme moyen une personne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, les sahaba sont allés vers son oncle, l'Abbas. Ils lui ont dit, l'Abbas, ton neveu est mort, naam. Quand il était vivant, on allait vers lui, natawassalu bihi, on le prenait, yani, comme médian, le médian, c'est-à-dire on lui demandait qu'il nous faisait des doigts pour que la pluie tombe. Maintenant il est mort, on est venu vers toi. Toi, yani, on sent de toi que tu es quelqu'un de proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un, yani, pour que tu nous fasses des doigts. Natawassal bika ila Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire des doigts. Et ils commençaient à leur faire des doigts pour que la pluie tombe, et eux ils disaient amin, amin. Mais prendre quelqu'un, yatawassal, il Allah subhanahu wa ta'ala, naam, bifoulan, en prenant telle et telle personne, il n'y a pas ça chez Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Il n'y a pas ça chez Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Naam, tfaddal. Voilà, que l'on fait comme cher. Prochaine question, question d'un frère. Mon épouse et moi venons juste de nous convertir à l'Alhamdulillah. Nous sommes mariés depuis 2010 avec un mariage civil à la mairie. Et nous avons un enfant en commun. Devrions-nous faire un mariage religieux pour ne pas vivre dans le péché, sachant que nous n'avons jamais pratiqué auparavant et que ni les parents de mon épouse ni les miens ne pratiquent pas. Et sachant aussi que notre conversion s'est passée avec une différence de 2 semaines environ, c'est-à-dire que je me suis converti devant un frère. Et 2 semaines plus tard, mon épouse s'est convertie devant moi. Barakallahu fikoum. Tafadal ya cheikh. Bien sûr, quand je parlais de tawassul, je disais que As-Sunnah Jama'a font le tawassul avec leurs œuvres et leur iman, leur aqidah, et bien sûr aussi avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, bien sûr. Lisez avec moi. Est-ce que Sid, ils se sont mariés après la reconversion ou avant? Ils se sont mariés, le mariage civil. Avant la reconversion ou bien après? J'attends votre réponse. Oui, pour les œuvres dont je parlais, c'est comme les 3 hommes qui sont rentrés dans le rocher, qui n'ont pas pu le déplacer. Chacun a cité une bonne œuvre et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une solution. Non. Donc, ce que je comprends, mon épouse et moi venons juste de nous convertir. Donc, ils se sont mariés avant. Ils se sont mariés en 2010. Ils se sont reconvertis récemment. Longtemps. Donc, si je comprends bien, Wallahu Adam, ce couple est en train de demander par rapport à quoi? Par rapport à le mariage s'il est valide. Le mariage s'il est valide. Je dis, Wallahu Subhanahu wa Ta'ala Adam, que pour que tout non-musulman qui s'est marié avant la reconversion sache cela. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie, n'a dit à un kafir qui s'est reconverti et qui était marié avec des enfants d'aller refaire l'acte de mariage. Ni lui a dit que tes enfants ne sont pas des enfants, par exemple, reconnu. Donc ça, c'est pour le musulman, naam, qui reconnaît l'interdiction, par exemple, de la zina, ensuite, va avoir un enfant de la zina. Comme, yani, Allah subhanahu wa ta'ala le punit. Donc, cet enfant ne sera pas reconnu. Vous l'avez conçu, yani, dans le haram. Quant au kafir, quand il se reconvertit, il n'a pas besoin de refaire l'acte de mariage.
il n'est pas dit de lui un seul mot qu'il a demandé à quelqu'un de refaire son acte de mariage pour tous les sahaba qui étaient des kuffars et ensuite se sont reconvertis. Néanmoins, certains disent que ce serait mieux, c'est-à-dire dans le sens de plus, disons, profitable ou disons plus parfait, de faire maintenant un acte de mariage shara'i. Mais ce n'est pas une obligation, bi'idnillahi ta'ala. Tfadl, préférable, voilà. Mais pas une obligation, et encore moins, pas une condition. Tfadl. Voilà, tout le monde fait comme cher. Question suivante, question d'un frère. J'étais avec des frères dans une voiture et j'ai vu passer une personne qui ressemblait à un Français. J'ai dit au frère, regarde les kuffars. Un frère m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être c'est un musulman. Ça m'a rendu confus, j'ose plus traiter personne de kuffar. Ni les voisins, ni les célébrités connues par peur qu'ils soient musulmans. Sans que je le sache. Comment dois-je penser, cher? Voilà que Allah vous fait comme cher. Tafadal. En fait, la règle, c'est que dans un pays de kuffar, les gens sont des kuffars, tous, jusqu'à preuve de contraire. Et dans un pays musulman, les gens sont des pays musulmans, jusqu'à preuve de contraire qu'il est devenu kafir. Donc dans un pays de kuffar, la règle c'est que toute personne qui passe est un kafir. Sauf maintenant si c'est une preuve, il a une preuve, c'est un musulman, parce qu'on est dans un pays de kuffar. Mais maintenant, s'il y a des preuves visibles, non, je vois quelqu'un avec un kamis, par exemple, je vois quelqu'un avec chéchia ta'a muslimin, je vois quelqu'un prier, ou bien j'habite dans un quartier connu pour être à majorité musulmane, comme à Marseille, dans certains quartiers, à Paris, dans certains quartiers, comme ça. Non. Là, c'est le contraire, c'est la majorité qui, je crois, sont musulmans. Non. Sinon, la personne qui a dit regarde ce kuffar, il a dit d'après ce que il a cru dans son cœur. Moi, dans mon cœur, quand cette personne est passée, j'ai cru que c'était un kafir. Étant dans un pays de kuffar, j'ai dit regarde ce kafir. Et maintenant, s'il est musulman, le maximum que j'ai fait, c'est je me suis trompé. Mais il ne m'a pas dit je suis musulman, je lui ai dit non, tu es kafir. Ça, c'est grave. Mais moi, je me suis trompé, c'est tout. Je croyais que c'était un musulman, c'est tout. Et encore, il n'y a aucune preuve que c'est un musulman. Car on est dans un pays de kuffar. Tfadl. Wallahu a'lam. Voilà, qu'Allah fait comme cher. Question suivante, question d'une sœur. Enfin, je suis obligé de la mettre, de la copier en deux fois, car en une seule fois, elle ne rentre pas. Ma question concerne l'authenticité d'un hadith, celui d'Aïcha radiallahu anha, qui dit que pour plaire à son mari, il est aussi autorisé, voire recommandé, pour la femme d'enlever les autres poils qui poussent anormalement, sur son visage. Certains imams autorisent donc l'épilation des sourcils pour les femmes mariées. Cet avis s'est répandu de nos jours, mais je voudrais savoir si cette interprétation est-elle correcte. Barakallahu fikum. Tafadhal ya cheikh. D'abord, il n'y a rien de notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, quelque chose d'authentique en ce sens. Il n'y a rien d'elle Aïcha radiallahu ta'ala anha, quelque chose d'authentique en ce sens. Ensuite, cet avis est complètement faux, car il contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La ta'ata lil makhlouq fi ma'siyatil khaliq. On ne doit pas, yani, obéir à une créature, pour yani déplaire ou la désobéir au créateur. Et ensuite, les versets ou les textes sont clairs, yani qui interdisent l'épilation des sourcils. Très très clairs. Et qui disent que ce sont de grands, que si la femme le fait pour son mari, ça veut dire que elle a préféré son mari à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit non, c'est interdit qu'elle fasse cette chose. Elle a dit non, mon mari,
est meilleur, je dois lui plaire, même si ça déplaît à Allah Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Naam. Tfadal. C'est pour ça que le mari lui aussi joue un rôle en ce sens qu'il doit l'encourager à ce qu'elle n'enlève pas. Et qu'il lui dise, naam, moi, quand tu fais ce qui plaît à Allah Ta'ala, ça me suffit. Si Allah Ta'ala est ravi de toi, avec tes sourcils comme ça, moi je suis ravi de toi. L'essentiel c'est que Allah Ta'ala soit ravi de nous. Et non pas, il lui fait des problèmes et la pousse jusqu'à ce qu'elle fasse des choses comme ça, croyant que peut-être qu'il va la divorcer ou je ne sais quoi. Naam. Tfadal. Et le whisper m'a dit qu'il y avait une autre précision par rapport à Tawassul. C'est quoi la précision? La sœur dit, j'aimerais apporter une précision sur ma question concernant Tawassul. En fait, ma question, est-il permis de dire à quelqu'un, Tawassul ou ilayka bidlah, pour qu'il fasse quelque chose? Non, on ne dit pas. On ne peut pas dire ça. Tawassul ou ilayka bidlah. Cheikh Ibn Uthaymeen dit une phrase pareille, c'est vraiment grave. Vous savez ce que ça veut dire? Tawassul ou ilayka bidlah. Tawassul. Naam. C'est le fait d'être seul et de prendre quelqu'un pour intercéder. Moi, je veux aller parler avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il ne va pas m'accorder d'audience. Et s'il accorde, si jamais il m'accorde d'audience, il ne va pas accepter ce que je veux lui demander. Alors, mon voisin le connaît bien. Je vais prendre mon voisin pour intercéder et me faire rentrer chez le ministre de l'Intérieur qui connaît bien pour qu'il me règle mon affaire. Maintenant, imaginez ici ce qu'il dit. Je prends comme intercession Allah Ta'ala pour venir chez toi et te dire de faire quelque chose. C'est Allah Ta'ala qui va intercéder avec moi je suis seul, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va m'aider pour qu'on vienne chez toi, tu nous fasses subhanallah l'adim. Donc l'autre chez qui on va demander l'affaire, ça veut dire à un rang plus élevé que Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi j'ai besoin d'Allah pour qu'il m'aide pour aller chez la personne plus élevée pour faire l'intercession. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum cheikh. Donc on passe à la question numéro 6, question d'une sœur. Une sœur demande selon le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère en religion plus de 3 jours, au point où, quand ils se rencontrent, chacun d'eux se détourne de l'autre. Le meilleur des deux est celui qui commence par saluer l'autre. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, voir Charles Al-Sunnah, volume 13, page 100. La question est, je me suis éloigné de ma belle-sœur car je ne supportais plus la situation et pour me préserver dû à son mauvais comportement tel que la médisance envers les autres et d'autres péchés. Alors pour préserver ma religion et ma personne, j'ai préféré ne plus la fréquenter. Et nous ne nous parlons plus actuellement. Je précise, Shir, que je tiens à garder le bon comportement en tant que musulmane en continuant à la saluer lorsque je la verrai chez mes beaux-parents ou dans la rue. Est-ce que je rentre dans le hadith? Est-ce que Allah est en colère contre moi? Pouvez-vous m'apporter conseil, min fadlikum? Tafadal ya Shir. Ce qui est interdit, c'est de ne pas parler avec quelqu'un plus de trois jours, si c'est quelque chose, dans la dunya, à cause d'argent, à cause de la voiture, à cause de, je ne sais pas, une chose de dunya, on ne se parle plus. Ça fait plus de 3 jours qu'on ne se parle pas. Ça, c'est interdit. Mais si c'est quelque chose, oula, la raison, c'est le din, je peux rester des années sans parler à la personne. Si c'est le din, je peux rester des années sans parler à la personne.
Moi, ici, seulement dans mon quartier, il y a des gens, ça fait des années qu'on ne se parle pas. On se rencontre comme ça, face à face. Ni moi je dis salam, ni l'autre me dit salam. Pourquoi? C'est le dîn qui nous a séparés. Lui, il insulte Cheikh Rabé, il insulte Cheikh Mohamed, Cheikh ceci. Et moi, pour moi, ceux-là, ce sont des savants. Pour lui, ce sont des fatanines, des ceci. Donc on ne se parle pas, ni salam, ni rien. On se rencontre face à face, chacun se détourne, il ne parle pas à l'autre. Et je mets dans mon cœur que ce que je fais, c'est une ibada, c'est une adoration, avec laquelle je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car c'est dans le dîn. Mais quand c'est dans la dunya, c'est interdit plus de 3 jours. Maintenant, quand on dit c'est interdit, c'est plus de 3 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est interdit de ne pas se parler. Naam, si on se rencontre, chacun se détourne. Mais, si je dis salam alaykoum, khlas. Mais ce n'est pas obligé que je sois avec la personne tout le temps et que je fasse d'elle une amie ou un ami à moi. Ce n'est pas obligé pour moi. Moi, je ne suis pas obligé de faire de tout le monde mes amis. Moi, je suis obligé de leur dire salam, c'est tout. Mais mes amis, je les choisis. Je ne prends pas moi, ma belle-sœur ou là comme amie ou là. Ma belle-sœur, quand je la rencontre, je lui dis salam. C'est tout. Maintenant, j'ai le droit de m'éloigner d'elle à cause de ce que. Elle est mauvaise, elle ne dit que des choses qui sont pas bien, etc. Je préserve ma religion. Et quand je la rencontre, salam, salam. Non. C'est pour ça que Cheikh Ibn Othaymine dit, si quelqu'un est très mauvais, je veux. C'est dunya, pas dans le dîn. Le dîn, j'ai dit que c'était permis. Abdullah ibn Omar n'a pas parlé avec son fils jusqu'à la mort. Il a dit une fois à son fils, il lui a dit, le prophète, alayhi salam, a interdit qu'on interdise à la femme d'aller à la mosquée. Il lui a dit, c'est interdit de dire à ta femme, je te laisse pas partir à la mosquée. Que lui a dit son fils? Il lui a dit, moi, je la laisse pas. Moi, je la laisse pas. Alors son père, Abdullah ibn Omar, lui a dit, comment? Je te dis, le prophète, alayhi salam, m'a dit, c'est interdit de lui interdire la mosquée. Et toi, tu dis, je lui ai interdit. Le rapporteur a dit, il ne lui a plus parlé depuis ce jour jusqu'à sa mort. Il est mort sans lui parler. Subhanallah. Donc à cause du dîn, tu peux rester 30 ans sans parler avec une personne, jusqu'à mourir. Et si c'est chose de dunya, et tu n'as pas envie de parler avec cette personne, qu'est-ce que tu fais? Tous les 3 jours, tu lui dis salam alaikum. Si la personne est tout le temps avec toi, elle habite avec toi par exemple, on habite dans le même appartement, comment qu'on fait? J'ai le droit de ne pas lui parler pendant 2 jours. Troisième jour, je lui dis salam alaikum. Une phrase, c'est tout. Ensuite, 2 jours, je ne lui parle pas. Ensuite, salam alaikum. Et comme ça. J'espère, inshallah ta'ala, que j'ai été clair. Ça, c'est la fatwa du Cheikh Ibn Othaymeen, rahimahullah ta'ala. Tfadla. Je dis à ce frère, oui, c'est une bonne remarque. Parce que tout à l'heure, quand j'ai cité un verset où je lisais du livre et que j'ai dit les enfants d'Israël, je l'ai dit tout à l'heure. En disant cette phrase, j'ai pensé à cette chose. Je me suis dit, peut-être je vais leur faire la remarque. Ensuite, je me suis dit, puisqu'il parle des enfants d'Israël, il ne parle pas d'Israël, donc ce n'est pas la peine de faire la remarque. Mais puisque le frère dit ici que ce serait bien de faire la remarque, alors je fais la remarque. Il faut savoir que Israël, c'est un prophète. C'est qui? C'est Yaqub, alayhi salam. Yaqub. Naam. Donc, c'est pour ça que les savants disent, on ne dit pas, par exemple, celui-là, les Israéliens ont fait telle et telle chose. Ou bien il dit, il habite à Israël. On a jeté une bombe à Israël. Israël, c'est un Nabi. C'est Yaqub alayhi salam. Ou bien on maudit les Israéliens. Qu'Allah maudisse les Israéliens. Tout ça, c'est faux. Israélien, c'est celui qui suit Yaqub alayhi salam. Non. Et Israël, c'est lui. C'est pas la ville, c'est le Nabi. Alors maintenant, si quelqu'un veut maudire, s'il maudit, il maudit les sionistes, par exemple. Les juifs, les sionistes. Non. Il faut bien faire attention à cette chose. Tfadl. Donc on passe à la question numéro 7, la question d'une sœur. Est-ce que le fait qu'une narine soit bouchée rend l'istinchaq chèque invalide? Et donc des ablutions avec. Voilà que là on fait comme cher, t'as pas de
Est-ce que le fait que le darin soit bouché rend l'istinchaq avec qaf, istinchaq? Toi, tu as dit istinchaq. Istinchaq, moi, j'ai pensé au chèque. Et je suis en train de voir l'euro et les dollars et yen. Non. Donc, c'est pas des chèques, c'est chèque, istinchaq. D'accord. Est-ce que le fait que le narine soit bouché rend istinchaq invalide? Istinchaq, vous savez que quand quelqu'un fait l'ourdo, quand quelqu'un fait l'ourdo, il doit être très soucieux et donner beaucoup d'importance à deux choses très importantes qui, si on les fait pas, ça invalide l'ourdo. Et si ça invalide l'ourdo, ça invalide la salade. Il n'y a pas de salade sans ourdo. La première, quand on rentre l'eau dans la bouche, beaucoup de gens rentrent l'eau dans la bouche et rejettent l'eau. Ils rentrent et rejettent trois fois. Ils disent, j'ai lavé ma bouche. J'ai fait, yani, le madmada. Alors que c'est pas vrai. Le madmada, il faut que quand tu rentres l'eau dans la bouche, il faut que tu fasses de sorte que l'eau dans ta bouche aille de la joue droite vers la joue gauche à l'intérieur plusieurs fois. Donc on rentre l'eau dans la bouche et on fait avec la bouche comme ça. Pour que l'eau aille à droite et à gauche, à droite et à gauche, ensuite on jette. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste rentrer un peu d'eau sur les lèvres, juste ça arrive aux lèvres. Et ça rentre une goutte dans sa bouche, il jette et il dit, là j'ai fait ça. Sa première faute très grave. Et la deuxième faute très grave, c'est que certains font la même chose avec le nez. Quand ils arrivent au nez, ils mettent comme ça de l'eau dans sa main et juste il touche avec sa main, il touche son nez. Et il essuie comme ça son nez avec sa main, il croit que il a lavé son nez. Alors que son nez, il faut faire istinchaq, c'est-à-dire inspirer. J'inspire pour faire rentrer l'air de mon nez. Et en faisant rentrer l'air, je fais rentrer l'eau en même temps dans mon nez. Et le prophète Hassan m'a dit, badir, exagère, fil istinchaq, dans le fait d'expirer de l'eau. Badir, exagère, sauf si tu es en cas de jeûne, car ça va rentrer dans ton ventre et ça va t'annuler la faim. Donc, quand je lave mon nez, je fais monter un nid d'air. Comme ça, je nez m'a brûlé. Mon nez m'a un peu brûlé. Non. Là, tu as fait l'istinchaq. Mais si quelqu'un, juste il prend de l'eau comme ça, il jette sur son nez, il croit qu'il a fait l'istinchaq, alors que l'eau n'est même pas rentrée dans son nez. Et si elle est rentrée dans son nez, elle n'est pas montée du tout. Elle est restée dans les narines en bas. Le mohim, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Hein. Faut pas exagérer. Certains vont exagérer, font monter de l'eau jusqu'à il va sortir de leurs oreilles. Ça, je ne l'ai pas dit et ça n'existe pas dans le din. Le mohim, maintenant la question, la personne dit que elle a une narine bouchée. Si elle a une narine bouchée et que c'est dans notre Maqdira, c'est-à-dire, comment on dit en français, c'est-à-dire qu'on peut, c'est possible, c'est dans notre possibilité, c'est dans notre possibilité d'enlever la chose qui est en train de boucher. Si c'est de la mort, ou je ne sais pas quoi, que ça s'enlève. On enlève, alhamdoulilah. Mais si maintenant c'est bouché, c'est une maladie, ou bien Allah Ta'ala m'a créé comme ça, ou bien yani, il y a quelque chose qui a bouché de façon sur là, c'est devenu comme ça. Maintenant, c'est plus de ma faute. Et dans ce cas, le wudu est valide. Non, parce que ça ne vient pas de moi. Et bien sûr, j'essaierai de, si c'est quelque chose qui se soigne, j'essaierai de me soigner, bi'idhnillahi ta'ala. Non, tfaddal. Non, barakallahu fikoum cheikh. Donc on continue avec la huitième question d'un frère. Désolé, je pensais que j'avais le micro. Huitième question d'un frère. Je suis étudiant en France, donc dans un pays mécréant. Et comme j'ai cours toute l'après-midi, sans pause, il peut m'arriver de rater les prières du Dhuhr, du Asr et du Maghrib. Maintenant que nous sommes en hiver, je suis dans l'impossibilité de sortir des cours. Et je n'ai pas le temps de prier entre deux cours.
est-il permis de rater ces prières-là à cause des études? Et si je les rate quand même, dois-je rattraper ces prières une fois rentré chez moi? Barakallahu fikum, tafaddal ya cheikh. Ici, il y a deux règles générales que toute personne, tout croyant, doit apprendre par cœur et ne jamais les oublier. Est-ce que vous m'entendez? La première, que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas ordonné de prier, mais m'a ordonné de prier à l'heure. Ce qui veut dire que si je ne prie pas à l'heure, alors ce n'est pas la peine de prier. Sauf si j'ai des excuses. Ça, c'est la première des choses. Donc, et ça va passer à la deuxième règle, aucune prière ne peut être rattrapée si je l'ai laissée, je l'ai délaissée délibérément. C'est-à-dire, je pouvais prier et j'ai pas prié. Car beaucoup de gens croient que ils peuvent regrouper les prières. Par exemple, il est au travail, il peut prier, il y a où prier, il dit non. Pourquoi je ne laisse pas ce soir et je prie? Quand je vais à la maison, je vais prier Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Et il croit que c'est possible et qu'il n'a rien fait de mal. Alors qu'il a fait deux choses vraiment mal. La première, sa salat n'est pas acceptée. Et la deuxième, il a fait pour chaque salat raté un grand péché. Un grand péché. Pour que vous compreniez cela, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, et Cheikh Al-Albani, et Shoukani rahimahullah, les trois, et je pense d'autres aussi, disent, si jamais une personne reste, par exemple, comme ça à la maison, c'est par exemple Salat al-Dhar, ou bien disons par exemple, c'est Salat, par exemple, Sobh, n'importe quelle Salat, et il dit, bon, Khadi, je prie pas maintenant, je vais prier par exemple, ce soir, je vais la rattraper. Ces trois grands savants disent, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Tu es en train de, en essayant de la rattraper. Car, Allah Ta'ala a dit, inna salata kanta al-mu'mina kitab al-muquta. La salat est pour les croyants, yani elle a un moment déterminé. Bien sûr, si la personne s'est endormie, si la personne s'est évanouie, si la personne a perdu connaissance, si la personne est tombée malade et savait pas ce qu'elle faisait. Toutes ces personnes ont des excuses, naïm, pour rattraper. Donc le rattrapage ne se fait que pour les gens qui ont des excuses. Aucune personne qui n'a pas d'excuses ne peut rattraper sa salat. Apprenez bien la règle. Deuxièmement, regardez par exemple ce verset. Je vais le lire en arabe et je vais vous le donner, inshallah ta'ala, en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً إِلَى آخِرِهِ jusqu'à la fin du verset. C'est-à-dire, en français, chose que ça donne, et lorsque toi, Mohamed, tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. À ceux-ci alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse, etc., etc. Ce qui nous importe ici, c'est quoi? Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer, pendant la guerre, quand tu es face aux mécréants qui a des armes et qui est en train de tirer sur toi, et toi tu baisses ta tête pour que la balle ne t'atteigne pas, et que tu te caches, et ceux, si tu tires, et lui il tire, il a dit, ya Mohammed, quand tu es parmi eux, et tu diriges la salat. Déjà ici, il a dit, tu diriges la salat. Les savants ont dit, regardez, en temps d'insécurité, et il a dit,
Non seulement vous allez prier, mais encore vous allez prier en groupe. Il n'a pas dit que chacun prie derrière un arbre caché. Il a dit, tu diriges la salat. Alors, un groupe d'eux vont se mettre debout en ta compagnie. Et un groupe, il garde les armes et en face de l'ennemi. Pendant qu'un groupe est en train de prier avec le prophète, un groupe a les armes et en face de l'ennemi est peut-être en train de tirer sur lui. Ensuite, quand le premier groupe termine la première salat avec le professeur, la première rak'at, il se lève et il va vers les autres pour garder et tirer sur l'ennemi. Ensuite, ceux qui sont maintenant en face de l'ennemi vont venir et vont faire une rak'at avec le prophète alayhi salatu wasalam. Ensuite, le deuxième groupe va revenir. Et comme ça, il y a huit façons de comment prier pendant la guerre. Or, je veux dire moi, si pendant la guerre l'ennemi est en face de moi, il veut me tuer, et je dois prier, premièrement, et prier en groupe. Qu'en est-il à quelqu'un qui va dire, eh, à cause de mes études, j'ai pas pu prier. À cause de mon travail, j'ai pas pu prier. Comment ça, c'est pas possible. Travail, je peux pas prier. Comment je peux pas prier? J'ai le droit d'aller aux toilettes et j'ai pas le droit de prier. Moi, je prie dans la salle de bain. Je prie dans n'importe quel endroit. Il faut que je trouve un endroit où prier. Comment? Pour aller aux toilettes, il me laisse aller. Comme je trouve l'excuse des toilettes, je trouve l'excuse aussi de la prière. Comment faire pour prier? Ensuite, quelqu'un qui est vraiment, ne peut pas prier, il faut qu'il fasse des efforts. Comment quitter ce travail? Pour aller chercher un travail où je peux prier. Moi, je vis pour le paradis et l'enfer. Il y a le paradis qui, peut-être j'y rentrerai, j'ai l'espoir, et il y a l'enfer qui m'attend. Donc, c'est pas ce patron qui va me sauver demain si je prie pas. Donc, je dois faire des efforts pour prier. C'est pour ça que Allah Ta'ala a permis de prier assis, a permis de prier avec les yeux, a permis de prier sur le flanc, en étant couché, et comme ça. Pourquoi? Pour dire que la prière n'a pas d'excuse. La personne ne peut pas dire, je sais, quelqu'un qui fait des études, il peut prier, par exemple, maximum assis, même sans la qibla. Je ne sais pas où se trouve la qibla, et je ne peux pas me tourner vers la qibla, je suis vraiment dans la difficulté, je prie comme ça, assis avec les yeux. Je bouge mes lèvres comme ça à peine pour ne pas attirer l'attention, je suis en train de lire. Ensuite, je baisse mes yeux, ça veut dire je suis incliné. Je baisse plus bas un peu ma tête, je suis prosterné. Et comme ça, et je prie, et je laisse pas la prière. Maintenant, il y a des cas où ça arrive de temps en temps, c'est vraiment difficile, donc je vais grouper. Je vais prier Dhuhr avec et Maghrib avec Aïcha si je travaille la nuit. Mais, pour dire comment dit la personne, je vais prier grouper donc Dhuhr, Asr et ensuite Maghrib. Ça, c'est pas possible. Je peux prier au maximum grouper Dhuhr et Asr. C'est tout. Ensuite Maghrib, Aïcha si je travaille la nuit. Mais pour laisser trois salats comme ça passer, c'est impossible. C'est pour ça que je dis à cette personne, si c'est de temps en temps pour grouper Dhuhr et Asr de temps en temps, car vraiment il n'y a que cette solution, mais allez, c'est le moindre mal. Mais sinon, comme j'ai dit, la personne peut prier, même assis et même sans la qibla. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal. Barakallahu fikum cheikh. Donc on passe à la neuvième question, question d'une sœur. Pouvez-vous nous conseiller pour atteindre l'ihsan, car subhanallah, je suis facilement détourné et distraite. Quand je me retrouve seul, sans personne, avec mes livres, les doros et le Coran, je me sens bien, car rien ne vient perturber cela. Mais dès lors que je me retrouve en présence de gens, je sens que je suis distraite, car je ne suis plus dans le rappel d'Allah Azzawajal. Et je vais ce sentiment. Et si je pouvais me retrouver seul 24 sur 24, je le ferais, mais je ne vis pas seul. Je suis avec ma famille et je ne peux pas les ignorer. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum cheikh, tafadhal. Quand on est obligé des fois de se trouver avec des gens comme la famille, etc., on ne peut, on n'a pas d'autre solution. La solution serait là, c'est quoi? Quand je suis obligé d'être avec des gens avec lesquels je travaille, ou bien la maison, ou bien la famille, la solution c'est quoi?
La solution, c'est d'être avec eux avec le corps et loin d'eux avec le cœur. C'est-à-dire, je suis debout, en train de faire la vaisselle, en train de faire le ménage, en train de faire je ne sais quoi, mais en même temps, mon cœur n'est pas avec eux. Mon cœur, je suis en train de... Du moins, je suis en train de penser à mes cours, je suis en train de penser au Coran, je suis en train de réviser le Coran dans ma tête, je suis en train de... Non, de dire dhikr, subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tout ça, c'est pas interdit. Juste avec mes lèvres, personne ne voit ce que je suis en train de faire. Non. Et ce que dit la sœur ici, c'est normal. Nous tous, on est contraints que ça nous arrive des choses comme ça. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'autre, quelqu'un lui a dit nafaqa hamdala, hamdala c'est un sahabi, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, je suis devenu un hypocrite. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit ya Rasulallah, quand je suis avec toi, je sens l'iman yani, qui veut éclater. Ensuite, dès qu'on sort chez toi, yani, je me sens vraiment comme un hypocrite. Il lui a dit non, ya hamdala. Sa'a wa sa'a. Il lui a dit, voilà, c'est des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Des fois c'est iman, masha'Allah, qui monte, des fois il descend, comme on dit. Non. Il lui a dit, si tu continues comme ça, yani, c'est pas possible. Les anges viendraient vous serrer la main dans la rue. Mais c'est pas possible. On a tous des empêchements, on a tous des moments, on est distrait. C'est pour ça que, par exemple, le fait de choisir les bons amis, la personne dit, quand je suis avec les amis, ou qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je me sens distraite. Pourquoi? Parce que, si ce sont les bons amis, on n'est jamais distrait. Les bons amis, on ne parle que de din. Du matin au soir, alors, que dit, parle-nous de ce hadith, parle-nous quel cours tu as écouté la fois passée, qu'est-ce que tu as appris de nouveau, c'est quoi la dernière fais-toi sur ceci, sur cela. Donc, les bons amis. Maintenant, si j'ai de mauvais amis, moi, quand je parle de din, ils ne veulent pas. Ça les dégoûte et ils ne veulent pas. Et moi aussi, je n'aime pas les entendre ce qu'ils disent. Donc, c'est l'importance de choisir ses amis. L'importance de choisir ses amis. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est avec des gens dans le travail ou bien avec des gens dans la famille, on fait le possible pour... Pourquoi? On fait le possible pour y aller alléger, aller, comme on dit, le choc. Non, ne pas rentrer à fond avec eux. Mais de corps seulement. Mais dans le cœur, je suis en train de penser à autre chose, etc. Jusqu'à ce que je me délivre d'eux pour aller vers mes cours, etc. Naam. Tfadal, la dernière question. Naam. Barakallahu fikum, cher. Dernière question. Question d'un frère. Hayyakum Allah ya cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité. Quel est le sort des personnes qui ne sont pas musulmans et donc qui rejettent le prophète de l'islam? Sont-ils des kuffars? Barakallahu fikum, cher. Tafadal. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سَبَ سورة سَبَ 28. Et nous t'avons envoyé comme tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, celui qui ne sait pas que le prophète Ali a été envoyé pour l'humanité, ne va pas croire en lui. Il va dire, il a été le prophète, Mohammed a été envoyé pour les Arabes. Moi, je ne suis pas un Arabe. Moi, je suis un Français, donc je suis un chrétien. Et comme ça. Mais il ne sait pas qu'il a été envoyé à toute l'humanité, et comme je dis tout à l'heure, même aux djinns. Aux djinns, il a été envoyé. Donc la question dit ici, quel est le sort des personnes qui ne sont pas musulmans et donc qui rejettent le prophète de l'islam? Sont-ils des kofars? C'est normal. C'est normal. Toute personne qui dit que je ne crois pas au prophète Mohammed alayhi salam, c'est un mécréant. Toute personne qui dit je ne crois pas à la prophétie de Isa, de Jésus alayhi salam, c'est un mécréant. Celui qui dit je ne crois pas en la prophétie de Moussa, Moïse, c'est un mécréant. Et celui qui dit je ne crois pas en la prophétie des 124 000 prophètes envoyés, c'est un mécréant. S'il ne croit pas en un seul. Parce que Mohammed a été envoyé comme dernier.
Mais pas spécialement aux Arabes. Allah Ta'ala a choisi qu'il soit un Arabe, c'est tout. Mais il n'a pas été envoyé spécialement aux Arabes. Envoyé à toute l'humanité. Aux Japonais, aux Hindous, aux Belges, aux Français, aux Marocains, aux, à l'Allemand, à tout le monde, à tout le monde. Il a été envoyé, non, pour lui montrer, yani, quel est le chemin qu'il doit suivre pour se trouver demain au paradis. Donc celui qui ne le suit pas, n'a pas suivi, yani, les messagers antérieurs qui l'ont précédé, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cours. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Nous allons rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.